c'est parti. Xavier Niel, t'es bon. Bonsoir. Autour d'ours. Ah, c'est ours. Oui. Par contre, on va faire une phrase, dis je m'appelle ours. Ah, vous. Bah, je m'appelle ours, mais est-ce que vous m'entendez correctement cette fois-ci? Ah, voilà. Ours, bravo. En fait, le problème, excusez-moi, c'est parce que j'étais en 3G, j'ai fait le con, j'ai pas Il y a pas de souci. Il y a pas de problème. Juste dans le chat, j'ai eu le lien de la chaîne de Valhalla, machin. Là, je vous la mets dans mon chat. Voilà. Ouais, je viens de la partager aussi. Vas-y, allez voir ça sur Twitter et tout. Même sur le chat. Fais-lui des pouces bleus, mais donne-lui de la force. Abonnez-vous, wesh, c'est un bon. Vas-y, ours. Présente-toi, mon pote. Du coup, moi, je ne vais pas donner mon prénom. Pas de problème. Donne ce que tu veux, si tu veux rien donner, tu donnes rien. D'accord. Bah, j'ai 19 ans et je vis en région parisienne. Ok, d'accord. Parfait, c'est okay. Parfait. Parfait, carré. T'es à l'école ou pas? Juste l'école, pour savoir si t'es à l'école ou t'es des scouts. Je suis à l'université. C'est bon, c'est tranquille. Bah, c'est bon. Vas-y. D'accord. Bah, en fait, depuis début janvier, je suis en couple avec une meuf. Ok. Et ça va, c'est récent. Cette meuf, je la kiffe de fou, mais grave. Grave. Ah ouais, c'est de l'amour violent. C'est son bijou. Non. Non, t'inquiète, je rigole, t'inquiète. Et dans le sens, cette meuf, on s'est mis ensemble début janvier. Et ouais. Puis, elle me dit qu'en gros, elle est prête, elle a envie de coucher avec moi. Okay. Et je lui dis, mais du coup, c'est ta première fois ou c'est juste t'avais dit, c'est ta première fois et du coup. Attends, ralentis. Ça a tout coupé. J'ai compris que fin janvier, vous étiez ensemble depuis un mois, elle voulait faire quelque chose avec toi. Il y a eu l'ouverture si de porte. Oui, voilà. Okay. Et en gros, elle m'a dit qu'elle était vierge et elle voulait faire sa première fois avec moi. Ok. Bien. Du coup, je suis venu chez elle, on a couché ensemble, moi j'ai kiffé. Ça s'est bien passé? Franchement, moi, je pense que ça s'est bien passé, vu ses retours et vu la suite de l'histoire, vous... Que... Ben bien, parce que tout à l'heure on a un enculé, ça s'est pas très bien passé. L'autre, mais l'autre, il était envoyé, hein. Il a rien à dire, bravo. Ouais. Il était venu le Jungleman par exemple. C'est un bon ours. Le Jungleman. Si, l'ours. Là, le problème, il vient là. C'est que, depuis la première fois qu'on l'a fait, elle s'est révélée être une totale nymphomane et... c'est un peu moyen, quoi. Ah, Zach, pourquoi on a parlé de ça la dernière fois. Ouais, je disais, une meuf, dès que tu fais sa première fois et que tu t'y prends bien, derrière, elles deviennent automatiquement un aimant. Ta bite, c'est un aimant, gros. Vraiment, elles veulent tout le temps ta queue. Mais c'est un théorème, hein, c'est prouvé. Que la tienne ou tout le monde? La tienne en particulier. Genre, c'est la malédiction du déviergeage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est noté dans mes notes. Le mémoire. Le problème en soi, c'était pas qu'elle soit nymphomane, parce que moi en soi, ça me dérange pas. Tout le monde aime faire l'amour dans la vie. Oui, c'est vrai. Mais, le problème, c'est que c'est trop pour moi. Dans le sens. Ah oui. c'est chaud. Depuis janvier, on est à l'université. Attends, deux secondes, prends une pause. Parce qu'en fait, Faut qu'il y ait de la bande passante qui revienne là. Il remet 200 mégas. La connexion, elle est en suspense. Ouais. Hey, il est en E. Vas-y. Essaye. Il est en E. Que tu peux là. De la haine. Ouais. Dans le train. Il s'en bat les couilles, il a dit il est en E ce bat. Il est en E. Il veut pas en aide, j'ai en E. Aucun effort, ouais, j'ai E. Non, mais vas-y. T'as là les muscles, représente gros. Ouais. Comportement, mon frère. C'est ouf. Bon, là ça va mieux ou pas? Ouais, vas-y. Ouais, c'est bien là. On est à l'université ensemble. Et accro au sexe que des fois, même dans les amphithéâtres ou dans les couloirs, elle va m'attraper la queue ou elle va me dire des trucs. Ah ouais. C'est excitant ça. Ah, je kiffe. C'est un lieu public, c'est outrage. C'est vrai que c'est dangereux. Mais c'est pour ça que c'est excitant. Le goût du risque. Au début, je kiffais, mais là, je me rends compte que. Elle est en train de te violer. C'est presque ça. Ouais, parce que à l'inverse, ça aurait été bizarre, tu vois, s'il y a un mec qui fait ça à une meuf. Là, je me rends compte. Clairement. Gros, ça serait le contraire. Voilà la polémique que ça aurait fait. Ça aurait pas duré longtemps. Hein. Ah ouais, c'est comme tu l'aides. Hein. Ouh là là. Et du coup, je me rends compte que je crois que j'ai pas le cardio pour ça, parce qu'il faudrait vraiment une... Ouais, t'arrives plus à la suite. Joël, fais-lui un programme. Non, mais... T'es venu demander un programme à Joël. Programme, là. T'es venu demander un programme. Ah, là, je me frotte les mains. Non, mais après... Tout le monde, tu vas être bien. Gros, je vais acheter...
genre 20 fois par jour, des trucs comme ça et tout. Hein, mais quoi sur... Attends, combien? Oh là là, attends, inspection des chiffres. Inspection là. J'ai dit, combien? J'ai dit, il y a des gens qui vont dire qu'ils peuvent coucher 20 fois par jour, mais ça. Ah, j'ai pas entendu. J'ai cru, elle te demandait 20 fois par jour, et moi j'allais dire, c'est absolument impossible. Ah ouais, j'allais demander l'arbitre de la vidéo direct. Non, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Mais dans le sens, pour survivre à ce qu'elle me fait, il faudrait genre un courage de spartiate. Et moi je crois que je peux pas. Non mais, il faut avoir honte, de pas assumer. Hein. Attends, genre c'est combien de fois à peu près tu... Vas-y, donne-nous des chiffres, qu'on se situe. Imaginons un week-end, par exemple, bah déjà rien que ce week-end, le week-end dernier là, samedi elle était venue chez moi. Et de samedi matin jusqu'à dimanche soir, bah, elle voulait pas me lâcher. Et pourtant, j'étais en train de mourir toutes les... à chaque fois qu'on le faisait, quoi. Ah, ouais, dans les cordes, quoi. Genre, frère, sur cette période-là, vous l'avez fait combien de fois sur combien cette fois Combien de fois Non, mais que je bandais ou pas, du coup parce que Non, c'est... mais que tu l'as baisé sur cette période. Bah, j'ai... moi, avec la barre, j'ai pu le faire que 4 fois. En 2 jours. Mais oui, parce que c'est... j'étais déjà crevé de la... Elle veut plus, elle, en plus. Lui, il fait des trucs à côté, du coup, bah... La fac sacrée, bon. Elle aime trop ça et pour moi c'est pas possible à tenir. Et j'ai essayé de lui en parler, mais elle est là. Non, mais t'inquiète, ça va aller et tout. Mais non, ça va pas, je suis en train de mourir. Ouais, non, mais c'est chaud, hein. Franchement, on est même pas honte. Des fois, il y a des meufs. Attends, mais vous le faites 0 fois pendant la semaine? Bah, si, des fois on le fait, mais tu sais, une fois carrément, elle m'a fait faire entre deux cours. Ah ouais, c'est vraiment qu'elle est performante. T'as 30 minutes de libre ou pas? Juste, vraiment, je veux niquer là. 30 minutes, pas 30 minutes, ça change rien dès que j'ai un moment et qu'elle m'attrape. Elle a cru que ta bite c'était un robinet, genre. C'est une surveillance, en fait. Genre, y'a aucun répit là. Bah, presque pas. C'est devenu une corvée pour lui, wesh. On peut assumer, mais là c'est. Oh non, pas encore. Ah voilà, il va dire, oh non, encore elle, putain. Encore what? Non, mais en plus. Non, mais c'est dingue quand même. Après, ça dépend des meufs. Hein. Tu sais qu'il y a des meufs, il leur faut des performances olympiques, gros. Vraiment. Eh, mais je te jure, Prime, il avait raison. On va ouvrir un truc. Un studio, hein. Un studio Pornstar. Non, moi je vais acheter comment ça s'appelle, des actions Crazy Tiger. C'est... On va investir. Je vais avec eux, là. Ah putain, je vais investir un billet. C'est pas possible. Non, mais là, il faut plus que ça. Parce qu'au bout d'un moment, elle réclame 4-5 fois, là. T'as plus de réserve. Non, de... mais non, mais 4-5 fois, 4-5 fois entre samedi et dimanche, tu peux le faire, frérot. Concentre-toi. Ah oui, largement. Ah non, lui c'est sur 2 jours, mais lui il en peut plus. Genre, ouais, mais il a envie de faire d'autres trucs, quoi. Non, il fait ça. Tu fais ça, tu la rencontres en janvier. Tu fais ça, c'est ça. Que j'ai dit, c'est que... Tu sais que vraiment, ça, c'est la malédiction du dévier Josh, ça. C'est... Ah c'est... oui, j'avoue, il y avait la malédiction, j'ai oublié. Ah bah oui, oui, c'est pour ça qu'elle dit, trop, parce qu'en gros, dans sa tête, avec sa première fois, elle identifie sa première fois, le plaisir qui est venu à toi. Donc du coup, elle veut pas te lâcher, elle veut tout le temps ça, gros. Et ta seule solution... Ah ouais, non, bah... Bah après, tout le temps ça, je lui ai demandé tout à l'heure, il a quand même dit une fois par semaine, tu vois. Ça va une fois par semaine? Bah, ouais, ça va pas du tout, enfin, mais je pense beaucoup. Une fois par semaine, parce qu'il met des stops. Ouais. Parce que tu mets des stops, c'est ça, parce que sinon elle lui dit. Bah oui, frère. Au début, on le faisait bah, souvent, parce que c'est le début, c'est lourd et tout. Ouais, c'est pas pareil. Mais ouais, bah, c'est un peu ça, genre, c'est pas que je la fuis, mais j'essaye un peu de me rendre non disponible. Tu mettais les meilleures esquives, ouais. Du coup, bah, j'ai beau la fuir, des fois, je peux pas abonder parce que c'est impossible, j'ai trop mal. Mais est-ce que tu l'aimes toujours? C'est ça le truc. Mais oui, je l'aime de ouf. Ouais, il a kiffé. Ah ouais, il y a vraiment full sentiment et tout. C'est juste que pour ça, j'assume pas. Et du coup, bah, je sais pas comment faire et je sais pas comment lui dire. Juste, elle est d'être tranquille, quoi. Oh, bah, tu lui dis tranquille, elle va pas se vexer. Non, là c'est un problème. C'est plus que la communication, gros. Là, c'est une sauce, là. Ouais. Là, t'es vraiment dans la sauce parce que vraiment, je le comprends ton problème. Vraiment, en fait, c'est chaud. Il y a des meufs, vraiment, il leur faut. Des fois, il y a des meufs, il leur faut trop, gros. Toi, t'es là, t'as fini. Ouais, non. T'as fini, t'es trop grand, gros. Tu t'attends juste de mettre une serviette sur l'épaule et tout. T'en peux plus. Ouais. T'es là. Et toi, t'es là, frère. J'ai donné du cardio. J'ai perdu 100 kilocalories, là. J'en peux plus. Mais il y a des meufs, ça lui suffit pas, gros. Mais ce que tu dis, Zach, il dit, c'est vrai, hein. Non, mais vraiment, il y a des meufs, il leur faut. Non, mais moi, une fois, une meuf, je la termine, elle me dit, ouais, on finit, elle me dit, ouais, franchement, j'ai trouvé ça un peu pété, tu t'es vite fatigué, j'étais choqué, mon frère. J'étais choqué. C'est donc ça, moi, Joël. Elle t'a mis une étoile. Là, non, voilà, et après, bah, tu sais, Zach, je t'ai dit, après, j'ai pris des bails noirs, là. Ah oui. C'est ta faute, j'ai dit, tu me critiques, tu vas voir. T'as pris le haricot magique. Elle est venue, un match retour, il était virulent, elle a vu flou.
Il l'a explosé dans un mur. Ah ouais. le pire, la Joël Tada. Ah ouais, c'est vénère. Parler serait même pas une solution pour lui parce que du coup sa meuf elle kifferait trop, elle réclamerait ça tout. Ouais, elle réclamerait trop, tu vois. Ouais. Après, tout à l'heure, dans la présélection Carnage, tout ça, ils m'ont dit que peut-être je pouvais m'inscrire à la salle, c'était peut-être un truc pour faire du cardio et tout. C'est ce que j'allais te demander, c'est comment le cardio, tout ça? Bah, avant, j'allais à la salle. Ouais. C'est quand? Entre-temps, j'ai pris du poids à mort et peut-être aussi c'est pour ça que j'ai pas assez de cardio, mais dans le sens, des fois, c'est pas que le cardio, j'ai mal à la teub à mort pour rien. Ah, ça, c'est quand tu fais trop, ça. Faut que tu m'as dit lubrifié, mon frère. Mais lubrifié, tu lubrifies pas assez. Moi je pense que t'arrives pas préparé, gros. 4-5 fois en une semaine non-stop, c'est normal, gros. Bah oui, ça fait mal. C'est normal. Quand tu taffes trop, évidemment, ça fait mal. Non, ça fait pas mal, c'est normal. 4-5 fois. On va te prescrire une petite dose de Chris Tiger. Quand je le fais une fois, je crache pas qu'une fois aussi. Quoi? Hein? Quand je fais ça. Quoi? Une seule fois. Mais comment ça, t'es limite très? Attends, explique, attends. Explique, admettons, dis, viens, on le fait, et vous allez le faire, il se passe quoi, genre? Imaginons, je crache, tu vois, et ouais. Du coup, on reprend, entre guillemets, les prélits jusqu'à ce que je rebande. Ah, ok. Ok, d'accord. J'ai craché un moment. Non, mais j'ai... Ah ouais, t'as jamais, Ah ouais, mais toi, t'es l'usine, genre. Tu parles, ok, c'est-à-dire tu parles en session de sexe, tu parles pas en section round, en fait. Mais après, vraiment, t'as top pour un robinet, là. C'est comme quand Côté il nous fait enchaîner les 4 radio sexe, gros. Sans aucune pause. Elle te demande vraiment, genre là, gros, t'as un rythme, comment ça s'appelle là? Fordien, gros. Ok, donc ça change tout. Ah ouais, bon. Rythme fordien. Eh, il faut. Session de sexe à la chaîne. Après, tu sais, elle était vieille avant toi. Ça veut dire que tu l'éduques entre guillemets, tu lui dis, oh, c'est pas comme ça, c'est trop là. Ouais, là, vous allez rêver. Tu connais. Tu sais, quand ta meuf demande des trucs, des fois tu peux pas dire non, c'est compliqué. Mais pourquoi tu utilises pas des sextoys? Ouais, c'est ce que j'ai mangé. Moi j'allais les gars, tu peux la faire jouer autrement. Ouais. Utilise la machine. J'ai de faire ça, genre. Ah, Webedia, on a un gros sextoy si tu veux. Ah, des sextoys. Allez avec Zach. Merde. Zach. Merde, je voulais dire qu'on avait laissé un. Bon, bref, vas-y, je vais me mettre. Zach ce soir. Zach ce soir, c'est. Ouais, Zach. Tu t'es bien rattrapé avec Erasmus. Laissez-moi tranquille. On va te mettre un blâme. J'existe plus. Une petite mise à pied, Zach. Eh, techniquement, il est pas là ce soir. Ouais, il est pas dans son match là. Ah ouais. Après, ça va, avec Erasmus, il a son. Il joue à l'envers. Ouais, quelques fulgurances, mais bon. Il joue à l'envers. Ouais, excuse-nous, hop, ta Jean là. On va t'échouer. Super page Twitter, n'empêche. Bah oui, go. Et ou non, mais en vrai. Il est là. Au putain. Et on avait acheté un. Tu sais, sur Amazon, il y a plein de trucs dedans, genre. Que ce soit menottes, ouais, et tout ça. Et du coup, j'ai déjà utilisé un. Le meilleur site, c'est pas Amazon. Il s'appelle Concorde. Va dessus, tu verras. Concorde. Il connaît tout, putain, ce jeu. Un site qui vend des bons jouets, mon pote. Eh bon, Joël, c'est le dark web, gros. Ouais, toutes les apps, tous les sites. J'ai acheté une sorte de petite. C'est pas une mallette un peu, c'est une sorte de. Ah, la mallette. Il connaissait déjà. Oh le frère. Moi, Joël, je t'aime trop, ça. Ah ouais, les gars. Joël, mon frère. La mallette, vous croyez quoi? Vous croyez que je suis un mytho? Et dedans. Mais je vois que ça suffit quand même pas avec elle, du coup je sais pas comment faire. Ah, c'est que t'as déjà testé? Mais j'ai utilisé un œuf vibrant et des menottes parce qu'elle a dit qu'elle aimait bien ça, mais ouais. Ah merde. Ouais. T'as essayé le truc qui cache les yeux là? Ah ouais, ça suffit même pas. Les avions. T'as essayé, c'est. Ah ouais. Putain, mais en fait, ton cas il est compliqué parce que t'as fait des. Ah, mais attends. Fallait. Tu sais la faire jouer avec tes wads ou pas? Mais je préfère le faire avec mes doigts parce que. Bah ouais, j'imagine, ouais. Ouais. Attends, j'ai une technique qui s'appelle le deep spot. Regarde sur Google le deep spot, c'est une technique quand tu mets des wads. C'est quoi ça, le deep spot? Ouais, le deep spot, ouais. Et là, Joël, il a 100% de ses capacités intellectuelles. Ah, moi, je veux l'aider, moi. C'est une technique suicone, ça. Je dirais vraiment un jutsu, genre. C'est une technique, en fait. Tu vois, tu stimules bien la zone, après, quand tu rentres, ça se passe à fond. Putain, pour les sextoys, on aurait dû ramener Damien Biscudi.
Oh ouais, putain, Damien, lui c'est un champion. Il a tous joué là. Il a tous les jouets de France. Il a la mallette, c'est une blague version sexe. Non mais c'est ton national. Tu la dernière technologie quand il s'agit de sexe. Ouais, tu tombes sur un site de dégénéré. Hein. Il y a des trucs qui tournent, ils font des bruits chelous. Non mais écoute, alors, où trouver le deep spot et comment jouer avec pour faire jouer une femme? Pour plus de conseils sur comment faire jouer une femme et la rendre folle de plaisir, lisez ce livre exceptionnel écrit par l'ancienne escort girl de luxe, reconverti en sex coach, 267 conseils. Non mais va sur les sites de meufs, tu vois, les sites un peu féminins, tout ça, et elles donnent. Franchement, les mecs. Suivez grave les conseils des meufs. Les sites féminins un peu féministes, là, c'est là où j'avais appris ça. Joël, il a fait une formation, frère. Ah, mais moi, je t'explique, quand j'étais petit, moi, j'ai gâteau, tu vois, et j'ai voulu changer ça. Donc, c'est comme ça, je me suis formé, j'ai lu des livres, j'ai regardé des documentaires, des blogs et tout. Ah ouais, mais t'es trop chaud, sérieux. C'est devenu un ah ouais. Après, ouais, bien sûr, je me suis retiré du 94, je suis allé loin pour étudier la France du bonhomme. Il est revenu en se frottant les mains. Il est revenu comme Naruto, frère. Je te jure. Il était trop fier. Count Pain, il est arrivé, il a sauté. Ah ouais, gros, j'avais des nouvelles techniques. Il allait s'entraîner 3 ans avec Jiraiya. Venu, quand je mettais des wads tout de suite là, ça faisait de l'eau comme la grenouille de. Ouais, la grenouille de Jiraiya là. Gabapunta. Ça faisait des Gabapunta. Tôles, ouais. Voilà, ça crache la grosse couche. Non mais en vrai ouais, je sais pas quoi lui dire. Moi, pour en revenir, faut vraiment, ouais, je pense faut que t'ailles à la salle, gros. Sans déconner, ça va t'aider, genre ne serait-ce qu'au niveau du cardio. Attends, t'as dit que t'avais pris du poids, mais du coup là t'es gros, t'es moyen, t'es mec. Tu es parti de la team Quintal. T'es parti de quelle team là? Bah je suis plus gros que toi. Que moi? Oh. Ouais. Pourquoi t'as dit moi? Oh, wow. T'es chaud. Ah ouais. Ah ouais, t'es chaud. T'es un sacré morceau. Hein. Ouais. Ah ouais. Ça doit pas aider quoi. Faut, bah du coup, moi je comprenais pas, je me disais, ouais, mais. C'est peut-être pour ça, hein. On creuse une piste, hein. Ah non, mais va à la salle. Peut-être que t'as des coups de rein tout faiblard, ça se trouve. Ouais, peut-être c'est ça, hein. Tu manques peut-être de pêche ou. Demande à Joël, il va te faire un programme. Ah bah, un programme. Eh, et les mecs qui écoutent, si vous voulez soulever vénère, vous travaillez les lombaires à la salle. Je vous vois jamais travailler les lombaires. Non, sérieux, hein, les lombaires c'est important. Le mec qui dit lombaire, plus abdos, plus épaules, plus cardio. Merci, c'est ça. Mais ça, c'est un mec de mon Twitter. Ouais, j'avais ouais, ça. Moi, je te conseille quoi? Fais du hit. Ouais. Fais du hit sur vélo. Ouais, quoi, hit, c'est bien après, aussi. Après, ouais. Tu deviens un monstre, frère. Je te c'est jure. L'autre intensité. Ouais, je l'ai fait un mois et après, j'étais trop ouais, chaud. Ouais. Genre, en gros, tu vas sur le vélo. Bon, après, ça dépend de tes jambes et tout. Tu mets la puissance adaptée. Et en gros, tu fais genre une minute à fond. Mais genre vraiment tu te butes une minute et une minute où tu pédales normalement et après tu reprends une minute à fond et une minute et à chaque fois tu rajoutes du temps. Genre moi au début quand je commençais je faisais 10-15 minutes et après je faisais 20-25 minutes et à la fin d'une séance après t'es genre tu te sens trop bien dans ta vie d'autre jour. Et j'ai une question, est-ce que t'as vu Ah moi je parle du vélo, je parle du vélo les gars sur le chat. Ouais c'est chelou. J'étais trop chaud sur le vélo. Ça t'a bien le cardio, ça t'a bien le cardio. Sur le vélo, bah ouais le cardio après j'étais bien. Le cardio. Genre quand on allait faire des foot et tout. Quand fallait faire des foot et tout, bah j'ai senti la différence de baiser, genre. Et toi, genre, t'as fait tout ça pour le foot, toi. Bah ouais. Toi, t'es bizarre, toi. Mais non, mais c'est parce que j'avais fait un mois où j'ai essayé de maigrir. Bah j'ai tenu le mois, après c'est parti en couille. C'est parce qu'il y a aussi Domingo, il devait faire un truc de vélo, du coup. Non, mais après, ça n'a rien à voir avec Domingo, ça c'était en été. C'était en été, j'ai fait Kameto 30. Ah, ok. Et genre, je m'étais renseigné, tout le monde disait, ouais, fais du hit et tout. Ouais, c'est bien le hit pour gagner en endurance et tout. C'est ça, et genre, bah justement. Avant de. Pendant une semaine, je faisais pas de hit, je suis allé faire un foot. Au bout de 15-20 minutes, j'étais KO. Arrête. T'es cramé, ouais. Ta merde. T'es cramé, c'est bon. Ah, on revient, ouais. Mais voilà, je parlais que de vélo en plus depuis le début. Arrête de m'acheter. Mais KO, je donne des conseils, frère. Il fait partie de ma team, je donne des conseils. L'aile, c'est viol, hein, au grand jour. Ah, les bâtards, vas-y. Tiens. Casse les couilles, les gens. Cramel. On essaie de donner des conseils, ça me casse les couilles. Non, mais regarde, Joël, il valide. Le cardio, si tu fais non, du. Non, il a raison. C'est ça le problème, c'est que je valide. Moi, je l'ai vu et je l'ai senti, voilà. C'est ça, ouais, gros, c'est ça. Ah, bande de bâtards. Et sinon, parce que ouais, moi je me disais peut-être que tu allais pas assez fort, genre tu la baisses genre juste normal ou tu fais un peu de domination? Non mais Joël justement, bah, par rapport à ça, dans le sens, elle m'a fait faire un test, tu sais, BDS.
Ça a coupé. Ah, ça a coupé, ouais. Moi, sur les tests internet, il y a eu un test qui a tourné sur Twitter, là. Oh, c'est des conneries, ça. De purification, c'est de la merde, ça. De quoi? Attends, il parle de quoi? C'est le test de pureté, là. D'ailleurs, ah, ça. D'ailleurs, j'ai eu moins 5, hein. Ouais, quel menteur. J'ai eu moins 5. Oui, t'as eu moins 5. Ma véracité. Mais ça, c'est le test public. Allô? Nous, on a le test privé, nous. Ah, mais... Allô. Attends, attendez, il y a la bande passante qui arrive là, et ça arrive bientôt. Rajoute 200 mégas. Si on peut les remettre à 800 mégas, qu'ils puissent nous parler. Ouais, donc je disais, en gros, il y avait pas, il y avait pas, ça c'était un autre, et dans le test, c'était un gros, un test BDSM qui, genre, tu devais le faire, il durait 20 minutes. Et en gros, bah, je lui ai montré mes trucs, elle m'a dit, bah, tu vas pouvoir me dominer, me faire des trucs, ouais. Et tout. Et du coup, bah, j'ai essayé, moi, ça me plaît, mais genre, je donne tout, hein, parce que en fait, en même temps, je me dis que vu que je la kiffe, je suis obligé de donner tout. Genre étranglement et tout? Étranglement, tirage de cheveux. Il va la battre à mort. Ouais, bien, mon frère. Ah, mais ça va, si t'as fait l'effort, ça. Ouais, mais si elle en veut toutes les 30 minutes et qu'il fait ça à chaque ouais, fois, c'est chaud. Ah, ouais, au bout d'un moment, le gars, c'est un tortionnaire, genre. C'est pas... Et même après tout ça, après des claques, des étranglements, elle en redemande. Ouais, je sais quoi, c'est SmackDown le truc. C'est le fouet. Elle s'entraîne pour quoi, elle? Deuxième round, il a plus de la non, elle fait du cage. J'ai utilisé un fouet, je voulais que je fasse quoi de plus? Ah! Un fouet! Ah ouais! Ouais. T'as fait quoi avec le fouet? T'as fait quoi avec le... Mais il a fouetté, il a pas cassé avec. Il a fouetté. Non, mais tu veux qu'il fait quoi? Il a fait des crêpes. Ouais, Yannick, tu veux qu'il fait quoi? Comment ça, il a fait des crêpes? Bon, bon, bah, c'est la façon de parler, il y a rien de très faire, il a fouetté, c'est tout. Il a fait des crêpes. Il a battu les yeux. Il a mis au four. T'avais dit quoi déjà, Zach, avec le four? Ah. La viande au four. Non, moi, je ne me répéterai pas. Il faut savoir apprécier les blagues quand elles sont dites sur le moment. Quel rude. Ouais. En plus, t'as des exigences. Je s'en souviens juste pas. Non, parce qu'en gros, j'avais dit quoi, sa meuf, c'était une meuf qui était passée. Je lui ai dit, faut que tu mettes un ultimatum à ton gars, faut que tu lui laisses, dis genre, t'as 2 semaines pour bien me remplir le four. Voilà. Ah, bah, tu veux que je répète. C'est bon, merci. Ah. Non, mais en vrai, il y a un mec sur Twitter, il a dit, je baise avec Thanos, c'est un bâtard, je vais le niquer lui. Oh bah, hein, pas très... Oh, hein, pas gentil. Hein. Oh, mais le calcule pas. Père, mais ouais, c'est ça, des gamins. C'est des débiles, ils font rien du tout. Là, si tu dois écouter chaque rumeur Twitter, t'as pas fini. Non, mais frérot, en vrai, si t'as dit t'étais plus gros que moi et que tu fais pas de sport. Moi, je les sens les périodes où je fais pas de sport. Le cardio, c'est pas trop ça. Et je pense que c'est un de tes plus gros problèmes. Hein. Genre, no joke, hein, fais du hit. Hey, quand je faisais du hit. Ouais, non, sérieux, du hit, tu te sens bien. Je te jure, tu fais du hit tous les jours. Hein, ça te prend même pas beaucoup de temps. Tu vas pas. Ouais, c'est parce ça. Parce qu'en gros, attends, en gros, je faisais des séances de vélo normales. Elles duraient grave longtemps. Ça me cassait les couilles. Et je me disais, vas-y, qu'est-ce que je peux faire pour que ça dure plus vite? Je fais du hit. Fais du hit, c'est tout, frère. Et tu vois, avec un peu plus de cardio, tu vas pouvoir bientôt. Et tout ça pour ton amour du foot, Kamel. Et après, quand t'as plus de cardio, ben après, moi je connais pas. Hein. Après, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Menteur. Localisé comme Kamel. Ah, c'est vrai, tu fumes pas ou tu fumes, toi, de la clope? Des cigarettes? Ah, je fume pas. Ok. Bien vu. C'est déjà un bon point, mais no joke, le cardio... Ouais, je pense que ça doit être ça. T'es dans cette team-là, faut y aller, frère. Hein. Fais du hit. Ça dure combien de temps, vos ébats amoureux? J'essaye de faire durer ça, mais pas trop non plus, pour pas que ce soit chiant, genre au max 45 minutes, au maximum. Si au niveau, genre, tu sais contrôler ton éjaculation, tout ça, si ça, c'est pas le problème, ça va. Genre, avec le cardio, c'est l'intensité des coups de rein, tout ça, qui va augmenter. Et les lombaires. Vu que ta meuf, c'est ce qu'elle veut, apparemment, elle veut vraiment que tu la démontes, gros, hein, tout simplement, on va arrêter de parler chinois, bah, faut que t'ailles faire ça, gros. Bah, je vais faire des efforts pour elle, hein, écoute. Bah ouais, mon frère, tu vas aller courir au crépuscule, aller un peu à Basic Fit, gros, tu seras bon. Regarde, Creed. Même pour toi, frérot, hein. c'est pas juste pour ta meuf, hein. Tu vas te sentir trop bien. Ouais, mais ah, c'est pour toi maintenant, c'est plus pour le foot. Qui l'a ramené ici, lui? Prime, il va aller à Los Angeles les 8 prochains week-ends. Ouais, je l'ai localisé quand même. Ah, il tourne un clip. Il peut venir avec moi, du coup. Il tourne un clip. Bon, ours. Je sais pas trop, on peut te donner quoi d'autre comme conseil, hein, vu que t'as... Laisse-moi, je pense qu'on en reste là.
je vais faire ça, je vais reprendre la salle du coup. Pas de soucis. Et me concentrer sur ça quoi. Bah ouais, va à la salle, développe les joues sous sombre. En plus t'as un objectif donc ça va te motiver. Bah ouais, c'est ça. Je te jure, c'est un vrai objectif. C'est l'heure du step-up là. Je te jure. T'as des dédicaces à faire? Ah ouais. Ouais bah vas-y frérot. Dédicace à Taz le Born et la NEA. Comment qui ça, des blagues d'animaux? Comment ça, Taz le Borg? Taz le Borg! Comme le truc. Comment ça, le Borg? Ce truc est le plus moche du monde, genre de place. Le Borg! Un pote à moi, il a failli devenir Borg, du coup on l'appelle comme ça. Ah! Ok. Bah, dédicace. Waouh! Dédicace à ta connexion. À ta forêt. Ah ouais, gros. Dédicace à Cyanure aussi. Cyanure et Harry, je vous aime bien, c'est mes gars. Ok. Dédicace à Cyanure. Et dédicace à côté. C'est leur Twitter là. Ouais, c'est les mecs qui font des dessins, je crois. Ah, bien sûr, c'est mes Raytos, dédicace à Cyanure. Et dédicace à côté parce que tout le monde l'insulte à chaque fois. C'est le frère dealer. Bah ouais. Voilà, ouais. C'est pas ça, ouais, monte pas trop. Ouais, sinon, tu fais genre ta guire aujourd'hui, hein. Vas-y, bah bonne soirée, frérot. Et bute-toi à la salle, vas-y. Ouais, un peu de sport et ça va te faire du bien, mon pote. Ouais. Vas-y, salut, frérot. Vas-y, j'en ramène un autre. Attends, t'inquiète. Non, mais le pote Hotman là, il a pris 2000 abos sur YouTube là. Vous êtes des bons. Et que des commentaires gentils, ça fait plaisir. Franchement, les mecs, vous êtes cool. Vous êtes des bons. Voilà, Hotman Show, Tortillage, voilà. Poséidon, Fumier, ça fait plaisir. Dédicace à Hotman. Dédicace à Hotman. I'm the Valhalla. Voilà. Sur YouTube. Voilà. Oui, allez, courez sur sa chaîne, mettez-lui des pouces bleus et encouragez-le. Bon, ouais. Bon, moi, je veux quand même si je lui ai bien insulté sa mère aujourd'hui, sur les deux, trois, le deuxième et le troisième, ça pue un peu sa mère, mais le reste, Diego, bien vu. Ah, mais le reste, c'est pas Diego qui a fait. C'est pas Diego. Ah, Diego, il est en vrai. C'est pas Diego, casse-toi. Ta mère, Diego. Ah, bien joué. Oh là là. Bon. Bon, ben, salut à Pause. C'est parti, salut à Pause. Ouais, salut mec. Salut. Ça va, vous? Salut. Vas-y, présente-toi, du coup. Bah du coup, moi c'est un surnom, mais je m'appelle Martin, 19 ans, puis voilà. Ok. Ça va? T'es à l'école encore? Ouais, je suis en deuxième année de BTS. Ok, ok, bah vas-y, explique-nous ton problème. T'as l'air un peu triste, il a raison, Yass. Ouais. Non, ça va. Ça stresse un peu, c'est tout. Ça stresse un peu, pas de stress. Alors, je l'ai dit, en présélection, déstressé, on est là avec vous, y'a pas de problème. Bah ouais. Ouais. On vous accompagne. Explique-nous ton problème. Du coup, mon histoire, en fait, c'est... Déjà, pour être clair, il y aura aucun lien de sang, parce que ça touche un truc. Hein? En fait, mes parents, ils sont divorcés. Ouais, non, mais je précise ça, parce qu'on m'a dit de le préciser au début. Ok. Ah, d'accord, je viens de comprendre, je crois que j'ai tout compris, vas-y. Moi, j'ai rien compris. Mes parents, ils sont divorcés. Ouais, compris, mais vas-y. Mes parents, ils sont divorcés, du coup, ma mère, elle s'est mise avec un gars. Ah, j'ai compris. Et le gars, du coup, il avait une fille qui a le même âge que moi. Ah ouais, c'est... Tiens. Génial. Ça me rappelle, bref. Et du coup, le truc, c'est que... Du coup, ils nous ont présenté. Et le soir même, on devait dormir ensemble parce que... À la maison où on était, il n'y a qu'une chambre et c'était la mienne qui était de lit pour elle. Ouais, ils sont naïfs, vos parents, quand même. Ah ouais, quand même. Ils ont pas... Bah ouais, surtout ils avec... Ils n'ont pas calculé de risque. Ah, moi, je suis... Franchement, jeune, tu m'aurais envoyé une cousine éloignée, oh. On en parlait l'autre jour en plus. Ah, je sais pas. J'étais pas là. Genre, vas-y, t'es quoi, question con? Vas-y, répondez les viewers. Imaginez si vous avez la possibilité de coucher avec une cousine un peu loin, mais elle est trop bonne. Vous voulez ou pas? Tu fais comme le mec de Lucien là qui a dit ouais, je vais me taper. Je demande aux gens s'ils seraient capables ou pas. Arrête, tu veux qu'on finisse dans des best-of ou quoi là? C'est les réponses des gens. Non, mais il a dit cousine. Bon, Zach, tu vas arrêter de faire ton petit mot de ciel là. Je te jure, Zach, elle va te faire foutre, ça te va ou pas? C'est trop. Vas-y. Zach, il sabote l'émission. Continue la pause. Du coup, on était dans le même lit. Il n'y a pas eu sexe ce soir-là, mais il y a eu rapprochement, bisous et tout. Attends, c'était le premier soir, ça? Ouais, premier soir on s'est rencontrés. Ouais, bon. Okay. Ah bah, c'est...
Et après, du coup, nos parents, ils étaient toujours ensemble. On s'est revus plusieurs fois. Et bon, on avait décidé de se mettre ensemble. Mais sans le dire à nos parents. Ah oh bah, tu m'étonnes. Eh, hey, mais tu sais que... La dernière fois, j'ai regardé le jour où tout a basculé, c'était ça. Ah, c'est lourd, ça, ce programme. Non, c'était une dinguerie, parce que... Genre, il fallait pas que nos parents, ils l'apprennent et tout. Du coup, c'était chaud. Ouais. Et du coup, il y avait eu des moments de sexe et tout, sans que nos parents, ils sachent. Et après, ils se sont séparés. Et, ah, lourd. Moi... Oh, ça va vite, ouais, chaud. Bah, je raconte en plus ah, non, parce non, que ça s'est passé en... Ah, non, mais je parle pas de ton histoire, enfin, je parle du... Ils étaient restés combien de temps Ça s'est passé pendant... Ils sont restés 3 mois ensemble. Ah ouais, ok. Et nous, du coup, ça a fait... C'était votre couple le plus fort, quoi. Ouais, voilà. La compétition malsaine, putain. Et du coup, après, j'en ai parlé à ma mère. Et elle l'a bien pris. Elle l'a dit, bah écoute, vous avez l'âge. Si vous voulez vous voir chez moi, il n'y a pas de souci et tout. Mais chez ma mère, ça c'est chez son père, ça c'est pas du tout passé comme ça. Genre, elle l'a mal pris. Il voulait pas du coup qu'on se voit. Il a perdu. Et en même temps, genre, je le comprends parce que genre le fils de l'ex, enfin, c'est avec ta fille. C'est un peu bizarre, quoi. C'est ouais, c'est un peu chelou. Après, tu, après... tu peux lui répondre. Toi, tu te tapes bien ma mère. Je te dis rien. Hein. Ouais, j'ai pas osé. Aïe pour aïe. Et du coup, genre, après, il a commencé à s'y faire, parce qu'il était plus avec ma mère, et genre, ça s'est plutôt bien passé. J'étais respectueux, j'ai jamais fait de conneries avec elle ou quoi. Sauf ouais. qu'on a décidé de se séparer pour une raison conne, à une soirée. Et là, ça fait quelques mois, on se parlait plus, et là, depuis un mois, deux mois, on se reparle, et en fait, moi, j'hésite à me remettre avec, mais elle, je crois, il n'y a que du sexe qui compte pour elle. Ah ouais. Okay. Ah oui. Elle me fait bien comprendre que... Il y a que sexe, ouais, quoi. Il y a vraiment que du cul, là. Ouais. Elle veut juste ton zizi, quoi. Et toi, tu veux plus. Bah ouais, c'est ça, le truc. Toi, tu veux plus, et elle, veut pas, genre. Ouais. Ah, c'est chaud, frère. Tragique. Ah, c'est tout. C'est une L, quoi. Enfin, c'est une semi-L, parce qu'elle veut quand même... On n'a pas l'air très emballé par cette histoire, les frères. Silence, frère, voilà. Non, mais en fait, le problème, c'est... Joël, dis quelque chose. Ça me laisse pantois, un jour. Mais non. Je sais pas quoi faire, frère. Ouais, tu veux faire quoi? Non, attends, j'ai un problème de connexion. Mais en fait, c'est bien, déjà, un peu. Tu la baisses et je sais pas. C'est bien de bien jouer. Non, mais lui, il a des sentiments. C'est de l'histoire. C'est l'histoire de la radio-sexe. Tu la baisses et bien joué. Bien, bravo. Bravo. Tu peux lui dire quoi? Après, tu vas pas la changer si elle est pas... Ah, c'est ça. Mais elle veut vraiment pas. C'est passé quoi? Explique un peu vos discussions, genre, sur la fin. Que là, comment on discute maintenant? Ouais, comment vous discutez maintenant? Genre, tu lui as dit tu voulais plus et tout, elle t'a répondu quoi? Bah, en fait, moi, je lui dis pas trop, je lui dis... Ah. Moi, je suis ok pour faire du sexe. Ok. Parce que avec elle, c'était vraiment d'art. On faisait tout, il y avait tout bien. Et ouais, je sais pas. Donc tu lui as même pas dit... Enfin, tu lui as pas fait... Est-ce que tu penserais pas qu'il y a pas un mec derrière tout ça? Il y a ça aussi, ouais. Parce que si elle a un mec, ce serait une raison pour laquelle elle voudrait pas se mettre avec toi, et en même temps, son mec pourra jamais soupçonner qu'elle couche avec son beau-frère. Mais c'est plus son beau-frère. Mais nos parents, ils sont plus ensemble. Oui, ils sont même pas parlé, ils étaient juste ensemble quelques temps. Okay. Mais attends, mais tu lui as pas fait de déclaration en mode « Ouais, mais j'ai envie d'être avec toi, Nani... » Ah, moi, je suis pas comme ça, genre... moi, de base, je sors pas longtemps, c'était ma plus longue relation, elle, déjà. Ouais, mais y a pas de toi, t'es pas comme ça ou quoi, genre là, parce que là, toi, tu vas être avec elle. Ah ouais. Si tu lui dis pas, elle pourra pas savoir. Hein. Ah ouais, t'es le mentaliste, genre, t'as cru qu'elle avait capté... Bah les meufs, elles savent tout, les meufs, elles savent tout. Mais elle a rien du tout, elle savent rien du tout. Vas-y, ça... Hein, ouf, toi, frère, tu lui as même pas dit. Alors ouais, elle veut que du sexe, mais tu lui as dit que tu veux sortir avec? Non. Ah, bon bah... Il a juste tourné ses deux trois mecs. Fais un date avec Sister.com. Fais un date avec elle, genre grave propre. Un bon petit date, je sais pas moi. Putain, en plus c'était ton ex, t'as aucun mal normalement. Bah ouais. Et tu lui dis tout ce que tu penses et c'est tout. Si elle veut pas, elle veut pas. Voilà, c'est ça. Parce que là, tu ne me mérites plus.
Et après, si elle veut pas, bon, bah c'est une L et c'est tout, tu vois. Mais moi, je pense qu'elle veut, hein, parce que si elle veut bah quand ouais, même du sexe, c'est juste qu'elle t'a rien dit, bah oui, c'est ça. Ouais, mais attends, mais ça se trouve, elle est comme toi, elle veut pas dire et tout, et vous êtes bloqués 19, tous les deux. 19, bah ouais, 19. C'est bon aussi, calme-toi. Déjà, faites l'amour, voyez comment ça se passe, traînez un peu ensemble, et voilà. Ouais, c'est ça. Oh, 19, c'est tôt, en mode on se met en couple, c'est des grands mots. Fais des petits dates. Calme-toi. Vas-y, je vais faire ça. Mais ouais, si t'as vraiment. Si tu veux plus, fais en sorte, tu vois. Si tu veux plus, fais en sorte d'avoir plus, tu vois. Pour l'instant, c'est ça, mais vous êtes jeune encore. Toi, si elle vient pas te dire, ouais, viens, on se met ensemble, ça va jamais se faire, j'ai l'impression. Mais vous êtes déjà ensemble, là, vous faites l'amour. Si elle fait l'amour avec personne d'autre et tout, c'est carré. Vous êtes pas obligé de mettre des mots sur les trucs. Ouais. Prime, il aime bien le flou. Comment ça? Pas obligé de mettre des mots sur des trucs. Pas tous bah, t'es pas... et tout. Bah t'es pas obligé de mettre des mots sur des trucs. Pas mal, c'est quand même. Attends, par hasard, quand t'as fait la présélection, il y avait qui? Hein, c'était qui qui t'a choisi sur la présélection? Il y avait Diego ou pas pour la présélection? Il y avait Diego? C'est Diego? Non. Si, c'est Diego. Venez, on accuse Diego, toujours. Ouais, Diego. Ouais. Je te plaît, Diego, il dit oui. Ta grand-mère, Diego. Non, il était pas là. Bon, bah, t'as des dédicaces? Bah, du coup, une dédicace à tout le club de tennis sur Insta. Et dédicace à une petite meuf que Prime il a charo là un peu. Oh yeah! Localisation! Kamel il est content! Regarde Kamel! Alors Prime! Ça veut dire tout le monde vient, il lâche un dossier sur moi, mais c'est pas vrai, tout le monde va réagir comme ça tout le temps. Genre. Ouais. Alors Prime! Non, mais... normal! Ramène-moi maintenant! Mais non, je suis là gros! Je suis là! Putain, voilà! Ah, ça va bien! Ah, t'es vraiment un nulard avec ton histoire de nu, je t'aide plus. Déjà, tu m'avais clash à la DreamHack, je l'avais mal pris, et après t'as voulu charron la pote. J'ai bien fait, sale bâtard. Vas-y, salut frérot. Et en plus, je suis un pote, charron, c'est sûr, c'est ta pote qui me préfère à toi, bâtard. Bah, sûrement. Ouais, bah voilà, bah vas-y. À plus. Non, par contre, ça, je pense vraiment, contre, c'est l'histoire la plus nulle que j'ai jamais entendue. Ouais. Hein. Franchement, hey, Diego. Diego, horreur. Mais c'est vraiment l'idiot du village, hein, c'est la unité. Dans la conversation, c'est un abruti, dans la présélection, c'est un abruti, avec ses meufs, c'est un abruti. Il y a rien de pas avec ce mec. Tu viens de faire ton distract sur Diego, je parlais du gars, là. Oh, t'es un bâtard, Zach. Bah oui, bah non, mais en même temps, je veux sortir avec, mais je lui ai pas dit. Non mais si, c'est vrai, c'est la pire histoire. J'avoue, il a abusé. Le mec est con. Il a pas de problème. Ah ouais, mais quand il dit un truc sur moi, tout est vrai, quoi. Après, c'est vrai qu'il a rattrapé son histoire. C'est bâtard. Il y a un certain Dr Hlel ici qui a un peu appuyé les propos de... Ah, écoute, allez, son vélo, quoi. Il a vu une brèche. Ah, j'ai vu, il m'attaquait dès le poème du début, c'est lui qui a relancé le poème. C'est vrai qu'il y a tension dans l'air entre vous deux. J'ai vu ce soir, et là il est là, il est sur mes côtes. Il veut niquer le business du FC Hlel, du club. C'est toi, tu dis tu tapes ton cardio pour faire du vélo ou je sais pas quoi. Bah ouais, frère. Le vélo que tu utilises pour aller chez la meuf, dis-le à tout le monde. Bah t'inquiète. Ton programme hit là. On sait ce que tu tapes après hein. C'était du foot. Ah ouais, non, et c'est pas du ballon hein. Ah je suis mort. Bon. Bah, du coup. Allez-y. Suivant. Bonsoir. Il y a du saison. C'est drôle. Je rigole. Bonsoir mec, t'es là? Est-ce que tu es là? Il a pas l'air. Ouais, si, oups. Allez, la le micro, let's go! Il est parti. Oh, on prend. Wesh, mon frère. C'est un vrai micro, ça va? Ça va, les frères? Ouais, c'est un vrai frérot, mon frérot. Tranquille, et toi, frérot? Tranquille, frérot. Ouais. Ouais, ça va. Hein. J'ai passé une bonne soirée, ça va. Ça va, ah, bah, tout va bien. On rigole, non? Non, je veux commencer quand même par fuck Diego, la vie de ma mère. Waouh! Wow. Fuck Diego. T'es la bienvenue, mon frère. T'es la bienvenue, mon frère. Tes ancêtres, Diego. Vas-y, présente-toi, pote. Je m'appelle Clément. Je viens de Lyon. 6-9 la trique, et je suis à l'université, et okay. Voilà. Bah, t'as déménagé, Zach. Ton problème. Et j'ai un gros problème, je suis dans une sauce inouïe. Ouais, c'était ton présélection tout à l'heure, là, tu m'avais dit. Alors, ça fait 2 ans maintenant, je suis avec ma copine, qui est... Bon, c'est... Vous allez comprendre maintenant, je sais pas si c'est vraiment ma copine maintenant.
Ah oui. Et au début, ça se passait bien de ouf, tu vois. On s'est rencontrés un peu vite, on s'est un peu précipité, mais tu vois, en soirée, tout ça, ça a dérapé. Ça a dérapé parce que. Ok. French Line Technology. Bon, on était bourrés. Il y avait plus de place. Je suis allé dormir dans sa chambre parce qu'il y avait la chambre d'amis plein. Je me pose. Ouais. Je commence à m'endormir. Et là, la porte se claque et il y a quelqu'un sur moi. Et c'était elle. Et du coup, je suis en mode. Elle a dit, je vais faire du rodéo là. Je suis en mode ça alors. On s'embrasse, tout ça. Il n'y a pas eu l'acte. Il n'y a pas eu la baise. Mais du coup, il y a eu les couilles bleues, tu vois. Quoi ? Comment ça ? Il avait mal aux couilles. Oh, nouvelle expression. Plus, frère. Les couilles bleues. Mais là, il y a même une vidéo dessus. Ah, vous ne vous renseignez pas. Attendez. Ils ne connaissent pas la culture. Ils n'ont pas de culture. Pour ceux qui ne connaissent pas, vas-y, explique. Vas-y, je vous explique. Alors, c'est quand pendant. Vous êtes excité à la mort. Et que vous faites rien en fait. Et du coup, vous sécrétez beaucoup de sperme. Et du coup, ça explose, hein, mais ça explose pas vraiment quoi. Ça implose. Okay. Non, en fait, t'as mal de ouf. C'est ça. Après, tu peux plus marcher en fait. Ok. T'es excité. Bref. Quoi. Ouais, c'est ça. Et. Comme quand tu fais trop de vélo quoi. Après, ça, je sais pas, ça c'est Kamel. Ça a fait ça. Kamel, c'est un fan de cyclisme. J'adore les vélos, frère. Là, pas que vélo. Bref, et. T'as la prostate écrasée à cause du truc. tu vas leur faire des clips. Ben Pro, ça va être prime time PES. Allez, bâtard. Vas-y, continue, frérot. Ouais. Et du coup, on a décidé d'officialiser les choses. On s'est vu, etc., etc. Et du coup, on s'est mis ensemble. Et au début, c'était grave cool. Parce que voilà, c'est le début. C'était ma vraie première meuf. Depuis tout le temps, en fait. Et c'est avec elle que j'ai fait les premières fois qu'on a découvert des choses, tu vois. D'accord. Et après, en fait, ça a commencé à se dégrader parce qu'on n'était vraiment pas sur la même longueur d'onde sur tout. Quel niveau ? Ok. Au niveau de, de comment on pense, tu vois. Tu vois, la confiance, tout ça, quoi. Ouais, voilà. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien ma liberté, mais j'aime bien être en couple. Et elle, c'était pas ça, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas ce que je veux dire, quoi. Après, toi, tu veux le beurre et l'argent du beurre, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Ah bah, tu veux les gourmands, tu vois. La phrase, j'aime bien la liberté, mais j'aime bien être en couple. T'as envie d'être le boss de l'UP, toi. Il a dit 6-9, la trick. T'as envie d'être le boss du Rhône. Bon, vas-y. Et du coup, on se voit, on fait des trucs de couple, tu vois, tranquille. Et à un moment, ça commence à devenir chiant. Genre, vraiment chiant. En mode, ça perd de sa saveur, tu vois. Limite, t'as envie d'aller la voir et tout, genre. Non, c'est pas vraiment ça, parce que je kiffe, tu vois, je l'aime vraiment, tu vois, et j'aime toujours passer du temps avec elle, mais c'est vraiment plus comme avant, tu vois. C'est quoi, c'est sexuellement, alors les activités, c'était quoi ? Tout. Ah, tout. Même, et c'est pour ça que c'est grave, même sexuellement, tu vois, c'est ce que j'ai dit à mes potes, c'est que le truc cool dans le sexe, c'est que je fais du sexe, c'est pas je fais du sexe avec elle, tu vois. Ça pourrait être une autre que ça serait la même chose. T'as plus de sentiments quoi. T'y vois pas de value quoi. Mais tu l'aimes quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Mais plus autant qu'avant, je pense. Ah ouais. J'ai l'impression que ça s'est dégradé. C'est juste que les sentiments. Attends, t'as quel âge déjà ? J'ai oublié. J'ai 21 ans. Ok, ça fait 2 ans que t'es avec. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est quoi la suite ? Parce que tu t'as dit que t'étais dans une sauce, t'as fait quelque chose en particulier. Et la sauce, c'est que en parallèle. J'ai une pote à moi, ça fait genre très longtemps, tu vois. Tiens. C'est du vélo ? Une pote. tiens, la fameuse pote. La fameuse. C'est escaladé. C'est une vraie pote, vous voyez. Genre depuis le collège, tu vois, en mode des... Ouais. Ouais, depuis le collège, ouais. Et genre, on discute tout ça, et on commence à se rapprocher un peu de plus en plus, tu vois. Et ça devient ambigu, parce que depuis la fac,
Tu vois, elle commençait à me proposer des plans en mode ouais, vas-y, viens chez moi, c'était moi Netflix, tout ça, y a pas mes darons, tout ça. Ouais. Et moi, c'était au début de ma relation. Dédicace à Netflix. Ah, ils ont débloqué trop de situations, ces mecs-là. Eh, Joël, je m'en souviens de ton tweet avec Cell. Ah ouais. Ah ouais, ça, c'est un classique, ça. Ah, ça, c'est un classique de chez Classic. Ah ouais, gros, on est là, Classic Man. Aïe, aïe, aïe. Je dors de Twitter. Vas-y, ensuite. Et du coup, moi, j'ai toujours refusé, tu vois. Parce que je me suis dit, non, c'est mort. Je sais que ça va partir en couille. Même si ça part pas en couille, j'aimerais pas que ma meuf aille voir un mec et qu'elle aille Netflix avec lui, tu vois. Ah, logique. Ouais. Donc j'ai toujours dit non. Et voilà, tu vois, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Dès qu'il y avait ambiguïté, souvent, j'essayais de mettre les choses au clair. Ouais, tu Sauf que récemment, comme j'ai dit, ça, avec ma copine, ça a perdu de sa valeur. Et du coup, je me suis laissé tenter. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Je vais chez elle, tout ça. On commence, je roule un ouange, parce qu'elle, elle fumait aussi. Mm-hmm. Et on commence, on fume tranquillement, on discute normal, on se tape des barres, tu vois, parce qu'avec elle, genre, je me tape des barres de ouf. Okay. Et après, il y a le moment où, tu vois, on se pose sur le canapé, on branche Netflix, et commence à me parler d'elle, tu vois. Et elle commence à me parler de son ex. Et du coup, jusqu'à là, bon, j'étais en mode, ok, tu vois, rien de spécial. Elle me parle de son ex, tout ça, elle commence à me dire, ouais, il me manque trop, j'arrive pas à l'oublier, non. Et après, c'est là où elle commence à pleurer, tout ça. Oh là là, bourbier. Et du coup, moi, t'es sa copine, hein. Ouais, t'es sa besta. Et du coup, elle me dit... elle me dit, ouais, il me manque trop, j'arrive pas à l'oublier, oh là, et elle pleure. Vrai. Et du coup, elle se rapproche de moi. Et du coup, on se fait un câlin, et moi, je suis en mode... Tiens. Ouais, tu bandais, je vois que tu tergiverses, hein. Elle vient dans mes bras. Coup, tu bandais, toi. c'est bon, on connaît. Le petit sourire. Ouais, mais est-ce que ça, c'est pas le début de la fin aussi, ça, tu vois. Viens dans mes bras. Ah, mais attends. Après, on commence à parler et la discussion, elle commence à bifurquer sur des anecdotes de sexe, tu vois. Okay. Elle me racontait des trucs, moi je racontais des trucs, tout ça, voilà. Yeah. Et genre, elle me racontait en gros que elle parlait vraiment français, tu vois. Genre, à côté, la radio sexe, c'est du thaïlandais, tu vois. Genre, elle me disait, ouais, moi je kiffe trop, c'est des trucs. Le français est de mise ici. Elle me dit, ouais. Moi, j'aime trop sucer des billes, tout ça. S'il y a un truc que je sais faire, c'est sucer. Ouais, normal. Non, mais... Non, parce que tu fais le gars, c'est un truc de ouf. Par rapport à la recette, c'est du thaïlandais. Il y a rien, là. T'impressionnes personne, petit. Encore moins le cycliste. Ah, mais tu vois, moi... Ta mère. Hé, je parle plus. C'est la fin pour moi ce soir. Je suis mort, voilà. Bon, elle a fait quoi du coup? Parce Genre, tu peux accélérer un petit peu. Ouais, et du coup, genre, on monte dans sa chambre, tout ça, et ça commence un peu à glisser, tu vois. On se rapproche, je lui touche les uns, je commence à toucher les seufs, tout ça, on commence à tâter le terrain, on lui glisse sa main dans le slibard, en plus dans la culotte, tu vois. Dans le slibard, c'est bizarre. c'est pas sexy, wesh. Toi, ta pote, elle s'appelait Jérôme, toi. Comment ça, je lui mets la main dans le slibard. On fait du rugby ensemble, c'est bâtard. Donc ouais. Le pack. Main dans le falzar et tout. Et du coup, ouais, ça commence tout ça. Et après, elle me dit, ouais, c'est mieux qu'on n'aille pas jusqu'au bout, tu vois. Du coup, je suis en mode, parce qu'elle est en mode, ouais, non, j'ai pas envie de le faire tant que t'es en couple. Et moi, j'étais en mode, ok, j'avoue que c'est chaud et j'ai une meuf, tout ça. Il avait la main dans la culotte de la meuf, il a dit, ouais, j'avoue, c'est chaud. Et du coup, on s'est dit, bah,
on va attendre que je sois plus avec ma meuf et on sera en mode sex friend, tu vois, genre en mode plan cul. Okay. Ouais. Tu vois, en mode tranquille. Mais sauf que mon problème, Joël, il a son pic quand il fait le ouais comme ça. Ouais. Ouais. Le problème, du coup... Ouais, le problème, du coup, c'est que je sais pas si jamais je reste avec, avec ma copine, sachant que ça fait longtemps et que, tu vois, je l'aime, ouais, mais ans, c'est bizarre, ouais. Tu vois. Ouais, ouais, tu l'aimes et... bien. Ou soit je vais avec... Ouais, gros, déjà, plan-pique. Si tu te poses la question, c'est que t'aimes pas ta copine. Ah, non, mais tu viens de nous poser la question, dans tout ce que tu viens de dire, tu sais très bien que tu veux aller plus loin. Juste ce que tu nous as dit. Ta copine, sérieux, tu l'aimes pas du tout, hein, moi je le dis. Non, mais bah, moi, oui, je comprends ce qu'il veut dire, il l'aime, mais pas trop, quoi. En fait, t'es lassé, c'est tout, tu veux changer. Ouais, c'est ça, t'as envie de... Ouais, ça, t'es lassé, ouais. T'as envie de passer au nouveau chapitre, au nouvel arc. T'as envie de... T'arrives, hein. C'est normal, ouais, 2 ans, t'as 19 ans... Ouais. Tu veux profiter de la vie. Ouais, c'est ça. T'as envie de changer de terrain, quoi. Mais de toute façon, en vrai, de toute façon, ça sent que t'es lassé et à un moment ou à l'autre, ta copine, tu vas la tège. C'est ça. Ah oui. Toi, t'en fais plus de la routine, etc. Fais-le tout de suite. Là, genre, la fais pas souffrir. Ouais, en fait, genre, faut vraiment que tu le fasses avant de faire quelque chose avec l'autre. Ouais, la fais pas espérer. Mais au moins, t'as été correct en soi. Non. Ouais. Bah, en soi. Non, il a pas été correct, hein. Parce que c'est la même qui l'a arrêté. Lui, il allait foncer dans le lard, hein. Ouais, oh non, mais il l'a pas fait, donc ça va, tu vois, 2 ans... Ouais, mais il l'a pas fait parce que la meuf... Parce que la meuf lui a dit, parce que la meuf l'a arrêté. Moi, j'ai confiance en lui, ça se voit que c'est un bon. Lui, il voulait piquer une tête, lui. Non, mais parce que, de toute façon, ça se voit qu'un jour, à un moment, tu vas foncer dans le tas, tu vas prendre la première meuf, tu vas la tringler, donc au moins... Ouais, c'est clair. C'est ça, c'est ça. Dis à ta meuf, ouais, tu sais, tu dis honnêtement, y'a rien de mal, hein, ça arrive, puis voilà. Ouais. Parce que là, vraiment, le problème que tu nous as posé, c'est pas un souci, gros, parce que ça, t'as déjà pris ta décision. Là, t'as juste envie de dire, vas-y, fais-le. En fait, t'es juste venu ici pour te rassurer, c'est tout, hein. Bah oui, on te rassure, mec. Et donc, on te rassure, quitte ta meuf. Des bisous sur ta petite tête. Des tapes sur l'épaule. Là, fais pas plus cocu que ce que t'as déjà fait, quitte-la et va fourrer l'autre. Fais-le d'une façon correcte. Bah oui. Non, mais correct. Comme ça, même okay. Tu as découvert des nouvelles choses. On a découvert bien des choses. Nouveau four. Ah ouais, nouveau renté. Nouveau schneck, tout. Chapitre 2. Ouais. Non, mais c'est ça, il y a de la lassitude, t'en as marre. Ça, non, mais ça se comprend, et ça se comprend, mais voilà. Non, mais ça sent. Tu vois, alors, parce qu'en fait, j'étais en mode. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que c'est mieux de rester posé, sachant qu'il y a moins de construire quelque chose, ou d'aller profiter à droite à gauche, tout ça. Mais construire quelque chose, t'es déjà lassé. Ouais. Tu les frères, qui Mettre le masque dans les trucs, comment ça construire quelque chose. Ouais. C'est ton pub. Non mais avant, je disais ça. Je disais ça avant. Eh gros, dis-toi déjà, si t'es dans cette émission, c'est que rien ne va plus. C'est le rendez-vous des tocards. Tu me racontais tes problèmes à Sidara, à Renoir, gros. C'est gros, rien qui va. Si t'es venu pour un côté et tes problèmes à Kamel, c'est que rien ne va plus dans ta vie. Pourquoi moi, espèce de sale merde. Non, moi. Okay, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. On sera best. Bah ouais, on est pas des. J'avoue. Non, mais ouais. C'est des gens qui veulent parler de leur vie. On sait, c'est des conseils. Ouais, ouais. Si tu te poses la question de qui a un problème dans mon couple, c'est que, c'est que t'es plus amoureux d'elle. Ça c'est que voilà. Pas forcément, pas forcément, mais quand tu te retrouves avec la main dans le. Ouais, dans la chatte d'une autre meuf, c'est bizarre, quoi. Bah ouais. Sachant que depuis tout à l'heure, tu nous dis, ouais, je m'emmerde et tout quand je suis avec elle. Non, c'est pas vraiment. Juste... Mais t'es passé à autre chose. Non, mais tu vois, je. C'est que t'es passé à autre chose, en fait, tu vois. Ouais. Là, tu te culpabilises juste pour rien, en fait. Kiffe ta vie avec l'autre meuf, et puis voilà, en plus je la connais depuis longtemps. Et en plus tu libères ta meuf actuelle. Bon, et puis bon, si ta relation elle dépend des conseils de Yas la Calvas, on va pas aller très loin. Merci Greg. Ok frérot. Ok. Allez, bonne soirée frérot. Allez, dédicace. Première dédicace au FC Rimjob. Ah, aïe aïe aïe, mon gars, on est ensemble. Ça, c'est... On, voilà. Ensemble. On est ensemble. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, ça, lécher des culs. C'est la vie. T'as, t'es mon gars, toi. J'espère que t'auras des culs à foison. Ah, merci. De toutes les couleurs, des blancs. Des blancs ouais, c'est bon. On a compris. Ah, et dédicace à Totomoto, le fan de tuning. Dédicace à Ben, Benten. Il est toujours plus chaud, c'est pas de sa faute. Et dédicace à Aurel qui trompe son ex.
Faut qu'il trompe sa meuf. Oh, bah, c'est gentil. C'est bien, mais ouais, bah, tu pourrais le donner, tes frères. Bah, ils sont bien, tes potes. Okay. C'est gentil. Eh bah, le FC Rimjob, hein. Voilà. Non, 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 moi, je suis pas d'accord, moi, je refuse. Ah ouais, Rimjob, ça rime pas avec solidarité. Quoi. Ah non, 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 moi, je suis pas d'accord avec ces conneries, là. On est plus solidaires, là. Trop tard. L'alchimie, elle est terminée, là. Ah ouais, avec lui, là, c'est. Il y a baisse d'alchimie, là, je sens. Ah ouais. Ah ouais, putain. Bon, bon, nous en reste un. Le dernier de la soirée, ouais. Dernier de la soirée, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Wesh, mon pote. Ça va ou quoi? Salut, salut. Ça va, ça va et vous? Ça va, tranquille. Reknos. Attends, j'augmente ton son. Bah, vas-y, présente-toi, mec. Bah, je m'appelle Tom. J'ai 19 ans. Ouais, enfin, 18 ans, bientôt 19, mais voilà. Et j'habite à Paris. Ok. Top. Ok. Carré. C'est parti. Ok. Vas-y, raconte ton histoire. Et ben en gros, bon c'est un peu classique, hein, c'est pas non plus très très fou, mais en gros je suis quelqu'un qui est plus communément bloqué à répétition dans la frère zone. Oui, la frère zone, c'est même pas la friend zone. Ah, la c'est... frère zone. Là c'est la frère zone, tu vois. Là c'est genre c'est le niveau au-dessus, tu vois. C'est genre les meufs m'appellent frère, tu vois. Ah ouais. Ah, non, parce que friend zone, moi je connais, mais frère zone là c'est loin. Hein. Toi t'es vraiment leur copine, toi. Le c'est ça, ah, mais de toute façon on va dire que c'est con, mais je suis le genre de mec qui traîne qu'avec des meufs dans les lycées et tout. Et tous les mecs ils me regardent bizarrement, genre je traîne qu'avec des meufs. En mode des... Ah, ouais, c'est ça, t'y a rien en fait. Toi tu portes le sac pendant les shoppings, toi. C'est ça, voilà. Ouais, t'es la besta avec le sac Zara. T'as tout compris. Voilà, t'es la besta et... Avec des bubble tea. C'est ça. Voilà. Et en gros, il sort que récemment, du coup, j'étais sur Tinder pour un peu essayer de sortir, mais ça marche pas. Et du coup, genre, moi, je tombe sur le profil d'une meuf et tout. Et ce qui est bien sur Tinder, c'est qu'il y a des meufs qui mettent directement leur Instagram dans les descriptions. Ouais. Oh, ça, c'est royal, ça. Parler sur Instagram. Ça, c'est royal. Plutôt que d'attendre d'avoir un like, tu peux forcer. Attends, laisse Joël parler parce qu'il a envie de dire un truc. Vas-y. Ouais, non, j'ai dit de mettre direct le Instagram. Okay. Voilà. Non mais en gros c'est pratique. Non, c'est trop bien les meufs qui mettent leur Insta comme ça, même si elles te matchent pas back, tu peux toujours. C'est ça, tu peux forcer, tu peux aller en DM et forcer à la fois. Ouais, et du coup bah donc je commence à parler avec elle, normal, et donc le temps passe et on s'entend super bien, genre vraiment il y a un putain de feeling et tout, genre c'est trop bien, genre moi dans ma tête je me dis déjà genre elle est ouf, tu vois, genre autant niveau apparence que mental et tout, elle est trop bien cette meuf, tu vois. Okay. Donc là après les mois ils passent, tranquille, genre, ça m'est déjà arrivé d'aller au ciné avec elle et tout. Et donc après à un moment, le soir je rentre du taf et tout. Et il y avait une pote à elle, donc où j'avais like une photo sur son Insta et tout, du coup elle m'avait DM pour me demander qui j'étais, etc. Et donc je commençais à parler. je commençais à parler avec elle, normal. Et au moment où genre plus de discussion avançait, à un moment elle me dit ouais mais c'est surprenant qu'elle traîne avec toi parce que avant elle traînait avec des meufs. Et je disais, comment ça, être avec des meufs, genre, t'entends quoi par là? Il me dit, ah, tu savais pas? Elle est lesbienne. Oh. Ah, c'est ballot. Pour toi. Voilà, méga sauce. Voilà. Et du coup, bah, littéralement, en gros, j'ai pu comprendre qu'il y avait que moi qui avait dans l'idée de sortir avec elle. Ouais, et qu'elle, de son côté, elle, de son côté, elle me voyait comme un pote, tu vois. Genre, en gros, elle, de son côté, elle disait, y a rien, tu vois. Alors que pendant, genre, 2-3 mois, il y avait plein de sous-entendus et tout, et vraiment, genre, mais même elle, hein, même de son côté, elle faisait plein de sous-entendus, mais pour elle, en fait, non. Ouais, mais pour elle, c'était normal, tu vois. C'était vraiment pour rigoler, quoi. C'est soldat à terre, là. Ah, c'était vraiment. Là, c'est ça. Là, en gros, je m'étais pris un bon gros KO, quoi. Et ciel, là. Et le pire derrière, c'est que bah le gros problème, c'est que comme à chaque meuf, c'est-à-dire que au total il y en a environ 3 où je me suis vraiment fait friendzone bien, frère-zone, tu vois. Et mais le pire, mon problème, c'est que bah je continue à parler aux 3. Et que, je continue à être pote avec les 3, en fait, parce que il sort que les 3 elles savent, tu vois, que je voulais sortir avec elles. C'est quoi ton but? C'est tirer des meufs. Bah, c'est de sortir de la frère Rose, justement. C'est de. Ah ouais, mais tu fais tout ce qui t'y a mené, tu continues à faire tout ce qui t'a mené. Bah, mais justement, j'arrive pas à comprendre c'est quoi le truc, quoi. Je sais pas, c'est ma manière de faire, c'est ma manière de parler et tout, je sais pas. Mais. C'est ta manière de faire. Ouais, c'est ça, tu parles trop. Moi, je pense qu'à chaque fois que tu vois une meuf, tu veux la baiser. C'est pour ça que tu finis dans ce carré là. Non, je pense qu'il est trop gentil. Non, en vrai, parce comment que... il parle, c'est ça. Non. Comment il d'emmener la chose en fait. Moi, je pense que t'es un petit vicieux. Ça veut dire que t'essayes d'être le plus ami possible avec elle. Tu penses que c'est ça qui va t'ouvrir en fait le truc. Bah oui, mais bah ça. Bah voilà, c'est pas ça. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, t'avais 13 ans, ça.
Alors ouais, c'est l'erreur en fait. Alors que si t'es en mode, j'aimerais bien qu'on fasse des choses, toi et moi, je pense que tu n'y arriverais pas. Pas forcément. Non, mais faut que tu fasses passer direct. Moi, c'est mon avis, ouais. Ouais. Faut que tu fasses. Oui, je pense que je passe direct. Amis, quoi. Enfin, que tu oui, oui, c'est ça, parce qu'au début, je fais connaissance avec elle. Voilà, c'est ouais, ça, toi, ouais, t'es là, tu parles normal, comme si t'allais être mon pote. Ouais, ouais. Et ça peut être mon pote, ça peut être ma besta. Et du coup, en fait, tu fais tellement être un gentleman que tu montes pas que t'es attiré par. C'est ça, ouais, parce qu'en plus, il sent que dans l'esprit, moi, je suis genre quelqu'un de plutôt sentimental, quelqu'un de très gentil et tout. Et du coup, moi, j'aime pas genre faire le forceur directement, à vouloir directement parler de cul et tout. Ça marche, parce que j'aime pas, tu vois. Je vois bien que ça marche pas, frère. C'est pas une question de forceur, en fait, c'est une question de. Après, tu dois pas lui dire, ouais, j'ai envie de te baiser, hein, dès le début. Ouais, voilà. En gros, c'est quand tu parles avec une meuf, faut que tu gardes toujours une certaine un peu distance, parce que si t'es trop près d'elle, c'est là au moment où tu rentres à la frère zone. Alors que si tu gardes toujours une petite distance, c'est à ce moment-là qu'il peut peut-être se passer quelque chose, tu vois. Non, non, l'écoute pas, il a pas baisé pendant ses études supérieures. Non, il a raison, non, c'est pas qu'il a raison. Vas-y, continue comme ça, Mais Prime, il veut faire le bully, là, tu veux te mettre sur les côtes de tout le monde, toi, tu vas aller à Los Angeles, tu vas voir. Vas-y, envoyez-moi à Los Angeles. Vas-y, j'y vais. Non, mais on est pas d'accord. On est pas d'accord. Bien sûr, on rigole. Tu vois, c'est en mode... Moi, je pense vraiment que tu fais trop le mec gentil, en fait. Tu veux tellement croiser personne que t'es gentil jusqu'à la fin. Comment tu dis quand une meuf t'intéresse, tu dis comment en fait? Comment tu t'amènes la chose? Ça c'est important. Moi je pense que tu l'appelles comme une pote. Ouais bah justement en général c'est que je dis pas directement, en général j'attends de me rapprocher avec la meuf genre normal tu vois genre lentement. Le mec t'engage la discussion, ouais salut ça va, tu fais quoi? Ouais en fait je vais d'abord sécuriser, en fait je veux être sûr que ça ça marche, mais finalement ça marche pas en fait, du temps ça fait tout le contraire. T'es jamais sûr mec, faut jamais, t'es jamais sûr. Maintenant, j'ai dit, attends, on va faire un test. Admettons, moi, je suis une meuf. Tu m'aborderais comment? Ah ouais. Hashtag peut-être. Hashtag no move. Joël, il va faire du RP là. Là, c'était plus hashtag 499 là. Non, admettons, comment t'engagerais la discussion? C'est Rimjob, hein. Ah oui, ça commence à bien. Non. Ouais. Non, en vrai, y'a pas de truc, c'est juste que, en général, c'est juste que, d'abord, je passe par l'étape pote, c'est pour ça, en général, c'est pour ça que je passe toujours par l'étape pote et je suis toujours là, voilà, je vais faire des discussions normales. Non, normal, mais c'est ça, frère. Pas passer par l'étape pote. Ah non, mais ça, ça marche pas, frérot. Ouais. Voilà. Vraiment, faut faire tout droit de étape, on se connaît pas, t'inquiète, mais faut pas passer par l'étape pote. Jamais, gros. Ah ouais, non, je me rapproche de la meuf, et après, ça va s'ouvrir. C'est trop dur de te faire bouger de cette case, tu vois, c'est trop dur. Oh, c'est foutu. Bah, en fait, une fois qu'elle crame que tu veux rien de couple ou de sexe, de trucs comme ça, tu vois, elle va te mettre dans une case comme ils ont dit, et après elle va parler avec ses autres bords, et toi tu vas être. Ouais, c'est parce qu'en fait, moi de base, je suis pas du tout intéressé par tout ce qui est sexe directement. C'est vrai que je suis quelqu'un de. Mais justement, je suis trop bon, c'est ça le truc, c'est que je suis trop bon. Parce que. Parce que c'est-à-dire qu'anecdote, c'est-à-dire que la première meuf, à mon lycée d'avant où j'étais, m'a littéralement dit qu'elle pouvait pas sortir avec moi parce que justement j'étais trop gentil. Enfin, j'étais quelqu'un de gentil. J'étais trop gentil. En gros, elle m'a dit que ça l'aurait pas dérangé de sortir avec moi de base, mais le fait qu'elle me connaisse et qu'elle sache que je suis quelqu'un de trop gentil, de trop frère, bah justement elle pouvait pas, tu vois, même elle ça l'a dérangé. Ah ouais. Faut que t'aies ce petit côté prédateur, tu vois. T'es confident. C'est ça. Je suis confident. T'es trop gentil, t'es trop mignon. Ouais. Ah ouais, mais dans leur tête, t'es un zéta. Tu la veux. T'es trop charmant. Tu vas faire du vélo. Trop cool, ouais. Mais lui, ça se voit, sa première meuf, il va la mettre trop bien. Ouais, c'est dangereux. Le problème, en attendant, il va souffrir. Ouais, maintenant, ah non, mais c'est bon, moi je pense que là il a pris tellement de fait que. Ah, mais ça, mais il sort que clairement, on veut dire que pour le coup, la dernière meuf, genre, quand j'ai appris qu'elle était lesbienne, sur le coup, pendant 2-3 jours, j'étais pas bien, hein, vraiment, genre. Ça se passe comment, ouais, c'est ça, genre. Ah, mais c'est pour ça, mais justement, il sort qu'en plus ça avance, plus ça m'arrive des soirs comme ça, plus justement, genre, méga de la distance avec les meufs, genre, plus je me dis, en vrai, ça sert à quoi de parler à des meufs, ça finit comme ça, tu vois. Du coup, je me bloque, mais en vrai, faut pas, tu vois. Bah, c'est juste, faut que tu changes ta façon de faire, c'est tout. Ouais. Tu sois plus avenant, mais sans l'être trop, tu vois, à ta façon. Non, mais ouais, c'est pas ça, faut toujours. Mais le délire, c'est quoi? C'est t'as 3 meufs, les 3, t'es leur frère. Ouais, c'est ça, mais en gros, c'est progressif, c'est en gros, c'est
Si ça te gêne d'être frère avec les trois, c'est qu'au départ tu voulais les baiser les trois, donc tu peux pas arrêter. Tu peux pas. Ah, il voulait pas forcément les baiser, mais il voulait. Non, non, mais. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un temps. C'est vrai que la première, ça date de genre il y a 3-4 ans, et la deuxième, il y a genre un an, et là, c'est actuel. Là, c'est... Moi, je pense que ton approche de je veux être pote avant d'être. Ouais, c'est marche pas, en fait. Il y a des gens qui arrivent, tu vois. Il y a des gens qui y arrivent, mais toi, t'as pas les clés pour faire ça, tu vois. Après, ça dépend de la meuf aussi, tu vois. Ça se trouve, ça. Non, bah, dans tous les cas, c'est éclaté. Comme, statistiquement, comme... c'est une technique nulle. Admettons, c'est chier. Tu parles en plus, à tu vas gagner du temps. Hein, parce que, regarde, attends deux secondes. Admettons, tu vas dire à une meuf, ouais, je veux qu'on soit pote. Enfin, tu vas lui faire. Tu fais ta technique là. Bah, peut-être ça va marcher au bout de je sais pas combien de mois de parlotte et tout. Mais admettons, t'es plus avenant et tu sais direct qu'elle veut rien avec toi. Bah, moi, tu perds pas ton temps. C'est ça, c'est ça. Et, ouais, et tu passes au dossier suivant, tu vois. Garde un peu de temps, je relance pas toujours la conversation. Quand tu parles à tes meufs, genre, tu les vois ou pas? Ah oui, je les vois, non. Bah, il sort que. Bah, il sort que la deuxième, elle est encore dans mon lycée actuel, hein. Il sort que je continue à la voir, mais la deuxième meuf actuelle. Ah, t'es au lycée là, t'es au lycée. Je suis encore au lycée, j'ai envie de dire que j'étais en lycée avant, et là, je suis vraiment en lycée, je suis en CAP, c'est pour ça. Non, mais de toute façon, avec l'autre, il est même parti au ciné, la lesbienne. Ouais, ça, j'étais même parti au ciné et tout, du coup, je me suis dit, mais c'est bon, c'est. Genre, c'est bon, c'est ok, quoi, c'est bon, je peux passer à l'étape supérieure. Tu lui as même pas dit, genre, que tu l'as kiffé, que tu voulais sortir avec. Bah en fait je lui ai pas dit directement mais je lui ai fait comprendre avec plein de sous-entendus. Moi je pensais elle avait compris tu vois, que même aussi elle m'en faisait tu vois. Faut arrêter les sous-entendus, faut virer un changement en toi. Mais en fait vous êtes tous télépathes en fait, vous êtes tous télépathes ici. Mais ça se voit, il est trop gentil, ça se voit. Non mais oui, je suis vraiment trop gentil. Déjà toi va falloir... Non, il est trop nice. Toi déjà va falloir que tu cries, t'es obligé de passer par cette étape. Non mais il est trop tard là, pour crier. Ah si il est trop tard, laisse le tranquille, il va se faire rafaler. Non mais t'inquiète, non mais je comprends ce que tu veux dire. Bah crie devant maintenant. Il faut que je gagne un peu de l'argue. Comme il a dit, Prime, wesh, faut arrêter de se dire ouais, elle va comprendre direct. Non, wesh. Ouais, faut être direct. Ouais, c'est télépathie ça. Je te jure. Comme il a dit, ouais, la télépathie, c'est mauvais truc, gros. Arrête la technique d'être pote avant, hein. c'est nul. Ouais, ouais et ouais. Quand tu vois, là, tu l'emmènes au ciné et tout, fallait peut-être lui dire, ou même lui dire avant, tu vois, parce que. Je sais pas frère, si tu lui dis pas, comment tu veux... Bah en fait, sur le coup du ciné, j'ai pas osé, parce que je suis genre, t'as vu, c'est le premier rendez-vous, je veux pas essayer... et non, Tu crois qu'il y avait au ciné avec toi, pourquoi en fait? C'est ça. Pour le coup, je grattais les pop-corns à des... Non, mais vous êtes juste, vous êtes naïf, je vous jure, vous êtes naïf. Non, mais il sort que pour le coup, elle voulait vraiment voir un ciné. Au lycée, tu penses qu'à ça? Non, mais ça dit pas, parce que je veux dire, c'est qu'il connaît pas, bien sûr que t'es naïf au lycée. Bah ouais, mais non, pas trois fois d'affilée, pas comme ça. Trois fois. Toute ton adolescence, c'est ça, là. Déjà, je t'ai dit, faut que tu mettes un peu de distance, faut pas que toujours tu relances les conversations, faut pas que tu proposes toujours de les voir, faut pas que tu montres que t'es toujours là pour elle et tout. Ça, quand t'es avec, pourquoi pas en couple. Mais avant, ça sert à rien, parce que elle, dans sa tête, elle va se dire, putain, c'est le gars. Non, même en couple, elle va se lâcher encore plus vite, frère. Ça, c'est le problème, ça. Faut que tu mettes un peu de distance, tout ça, faut pas que tu sois toujours à l'initiative et tout. Ouais, non, mais faut que tu sois plus avenant, je sais pas. Non, mais parle clairement, en fait, tu vois. C'est ta pote, ok, c'est cool, tu vois, respecte-la comme une pote, fais des trucs de pote, mais le jour où tu t'envisages aller plus loin avec elle, sois honnête, en fait. Sinon, t'es pas son pote, même si... Ouais, mais c'est déjà mal engagé, je pense. Mais c'est mal engagé ou pas, c'est pas grave. Ouais, mais si elle... Non, c'est pas mal engagé, moi, il y a des meufs, je suis pote avec elles, tu vois. Oui, mais toi, t'es prime, frère. Non, mais c'est faux, j'ai pas été prime toute ma vie. C'est ce que je veux dire. Je sais pas. Mais non, c'est... Tu peux être pote avec quelqu'un avant de sortir avec, tu vois. Mais il faut être honnête et lui dire... Mais il faut les viser, voilà, c'est ça, où tu sens qu'il y a un truc bizarre qui se passe entre vous, faut lui dire, tu vois. Sinon, le truc, il passe, ça se fane et voilà, t'es juste la personne qui est là. Vraiment, moi, quand j'étais plus jeune et que genre, j'étais dans des situations similaires à toi, moi, j'avais trop la peur de me faire refoule. Et il faut bien que tu comprennes le truc. Si tu tentes, c'est jamais la honte. C'est pas la honte de tenter. C'est bravo. Ça marche, ça marche pas. Mais voilà, moi, j'avais peur vraiment de me faire refoule. Pareil. Et il y a rien de honteux à se faire refoule. En plus, pour le plus tu vas te manger de stop, plus tu seras bon dans tes techniques. Je te jure. Vraiment, je te jure. Moi, j'étais comme toi, frère. Ouais, je prenais que on m'appelait Ratoman, tu vois. Moi, j'arrivais même pas à lui dire, ouais, tu veux qu'on sorte ensemble ou pas. Et après, bah, ouais, une fois que tu lui dis, tu comprends, et même toi, tu passes à autre chose plus vite, ça va trop vite, genre. Ouais, bah, ouais, ça. Ouais, parce que. Après, c'est le délire collège où on se mettait sur tes côtes quand tu prenais un vent, tout ça, mais c'est bon, frère. Ah, ouais, c'est sûr. Faut que tu saches que. Aucune honte à tenter. Aucune, vraiment. Bien sûr. Là, t'es au lycée, tu vas arriver à la fac, ça sera un air différent.
tu vas découvrir la vie là-bas. Bah non, ouais, mais je compte pas faire de fac. T'inquiète, je suis en alternance, après je vais directement travailler, donc je compte pas faire de fac. Mais... Ah bon bah... RIP, non mais... Non, mais il sort que oui, mais... Il pas peur de l'échec, il pas peur. Regarde, mais franchement, il me dit on va t'envoyer à Los Angeles, c'est pas grave. Eh, ici, le mec dans cette conf qui dit qu'il s'est jamais pris un râteau, c'est un mythe. Moi, je crois que je me suis pris plus de 100 stops dans ma vie. quand je t'explique, hein. Moi, quand j'ai entre 15 et 18 ans, mais j'étais un charreau incroyable. Ah ouais, je suis mort. Eh, 100 stops. Mais je rigole même pas. Ah, ouais. Ah c'est sorti le 11 mars. Il avait un tableau Excel, ce bâtard, wesh. Moi, j'ai voilà les stops. Et après, ça fait que ça. Après, t'as commencé à muscu, t'as fait la Joël Tada. Non, après, j'ai commencé à comprendre pourquoi je veux manger des bâches, ça, c'est comme ça que... Ah, c'est l'expérience, tu vois, c'est l'expérience, tu vois. Je t'ai dit, il faut vraiment que tu oses. Moi, je te dis, quand j'étais dans ton cas, je me faisais friendzone, tout ça, que j'étais plus jeune, c'était exactement à cause de ça, parce que j'osais jamais... Il y a plein de meufs, même, j'ai jamais osé sortir avec, etc. Ouais. Là, je suis resté pote d'un mois, j'ai arrêté de leur parler, parce que c'est bon, bah les couilles, tu vois. En plus, tu sais, souvent... Quand tu veux faire cette technique de devenir pote, la meuf, soit elle est pas intéressante, soit elle est débile, donc ça casse les couilles. Genre, t'es là, nul tu fais un peu. Pote, t'es là, plus, ouais, t'es là, tu fais un peu semblant, ça pue sa mère, gros. Et au final, vu que ça pote la mère, c'est trop nul. C'est trop nul. T'es pas là pour faire l'assistante sociale. Eh, gros, tu vas commencer à péter un câble quand les meufs que tu voudras serrer, elles vont commencer à serrer les autres mecs. Devant tes yeux, tu vas te transformer. T'as qu'à me raconter l'histoire. Mais gros, elle va te raconter toutes les histoires. Ça, je l'ai vécu et voilà que c'est trop dur. Voilà. Non, mais. Par rapport à ça, il sort que la deuxième meuf qui est encore mon listé actuellement, il sort que de base, quand elle avait sorti avec elle, en gros, elle était en couple de base. Mais c'était un peu compliqué avec son mec, tu vois. Du coup, elle venait me parler souvent de son mec en mode. Des problèmes et tout. Et c'est là où je me suis dit, peut-être qu'il y a moyen, tu vois, vu qu'elle avait commencé à dire qu'il peut-être le quitter et tout. C'est ça. Alors qu'en fait, en vrai, moi, j'étais juste là pour la soutenir parce qu'à ce moment-là, je me rendais pas compte que j'étais juste un soutien pour elle, tu vois. Dès qu'une meuf elle te parle de son gars ou d'un gars qu'elle veut pécho, c'est que c'est déjà fini. Hein. C'est foutu. Faut vraiment que tu muscles ton jeu. Qu'est-ce que t'en penses, coach Joël là? Bien sûr, faut que tu muscles ton jeu. Côté, on t'a pas entendu. Ouais, parce que là en plus on parle de. Ouais, y'a des caisses vers ta guire là. Ah, c'est une bonne journée là pour moi, je suis fatigué là. Mais ouais, il a raison, il a raison, Joël, là, c'est de l'XP, chaque défaite. Moi, je vous promets, les petits, Pokémon. J'irai à fond. Mettez votre ego à la poubelle, vous me remercierez plus tard. Je te jure. Arrête, tu t'arrives trop facilement à créer de contact avec des meufs, t'arrives facilement à prendre des numéros dans la rue, tout ça, c'est bénef. Non, ouais. Mais justement, par rapport à ce que disait Zach, c'est aussi, ça aussi l'erreur, c'est que souvent, en fait, j'ai peur de passer plus loin, parce que comme je suis pote avec elle, du coup, j'ai pas envie de les perdre, j'ai pas envie que derrière, il y ait genre un malaise, tu vois, me dire qu'après, ça va être bizarre entre nous. Sur Terre, on est des milliards, tu vas les remplacer, c'est pas un problème. Il y a des millions de meufs, si c'est pas elle, ça sera d'autres. Vraiment, en gros, dis-toi bien un truc, t'es jeune, et faut que... Vraiment, pour le coup, j'ai envie de te dire un truc sur ce qu'on vient de te dire, même si c'est pas facile à concevoir, même si tu peux peut-être pas le comprendre, fais-nous confiance. Fais-nous confiance, même si tu le captes pas, fais-nous confiance, tente, n'aie pas honte, et faut tenter, je te jure qu'au fur et à mesure que tu grandiras, à un moment, tu vas penser à ce qu'on t'a dit, et tu vas comprendre. Ouais, tu vas prendre. Alors, c'est peut-être con de dire « crois-moi sur parole », mais vraiment... T'es chanceux d'avoir ce conseil. Moi, on me l'avait jamais donné. On m'avait jamais donné ça, il y a des meufs, je l'ai kiffé de ouf, je leur ai jamais dit. Parce que j'étais une petite salope, j'avais peur de dire « ouais ». Et dis-toi, avec tout ça, au fur et à mesure, dans le temps, expérience, tout ça... Expérience, après tu vas prendre un assurant. Après tu vas y arriver. Tu deviens instrument, après tu peux lâcher des gros wesh et gay et répondre. Bien sûr, mais après t'arrives dans la rue, tu prends un numéro, c'est trop facile, tu vois. Et gros, de toute façon, écoute Joël. Respecte toi-même 2019. Écoute Joël, il s'est pris sans stop, il s'est pris sans stop, et maintenant t'as vu comment il est. Écoute. Je rigole pas, ma parole, il m'a pleuré à toi. Et moi je suis fier de Joël, Joël c'est trop mon pote, je le kiffe. Sagas, il serait à télé 4K. Je suis mort. Non, c'est rien. Il faut pas. Il y a plein de jeunes qui écoutent. Tentez. Après, faites pas les bourrins. Faites pas du harcèlement, des conneries. Non, faut faire ça propre. Yes. Tentez. Faut jamais avoir honte. Rester des gentlemen. Vraiment, dites-vous que les blaireaux, c'est ceux qui vont se foutre de la gueule de ceux qui tentent et qui à côté ne font rien. C'est décomplexé, gros. Pense à ta vie avant tout, mec. Ouais. De toute façon, on se mange tous des stops, hein. Même à notre grand âge, on s'en mange, hein, mais moins.
Vraiment, non, ouais, le nombre de râteaux dans la France, c'est un peu en flèche. Justement, je pense en gros, c'est l'accumulation. 20% de gens qui ont réussi à choper grâce à ce qu'on vient de dire, c'est propre. Non, clairement, mais je pense que c'est, en fait, c'est juste l'accumulation qui m'a saoulé à force, tu vois, c'est ça, en fait. Ouais, c'est le fait que ça recommence encore et encore que du coup ça commence à me saouler, tu vois. Maintenant, faut que tu te dises, tu tentes ta chance, tu t'en bats les couilles. Personne ne va te juger. C'est pas après, c'est un travail sur soi, ça va au-delà de ça. C'est que faut pas uniquement avec les meufs, dans toute ta vie, il faut que t'arrêtes de faire des choses en pensant forcément aux conséquences si elles sont pas graves, tu vois. Et une meuf qui te parle plus, c'est rien, tu t'en fous. Ouais, surtout, pense pas au regard des autres et tout. Ouais. Hey, tu t'en bats les couilles, tu fais ça pour toi, tu fais pas ça pour les autres. Tu fonces, ça marche pas, tant pis, tu passes à une autre. C'est ça. Voilà. Bon. Ok, frérot. Bah, ça résume un peu notre point de vue général pour toi, mon pote. Ouais, c'est sûr. Mais ça se voit, t'es un bon en tout cas, t'as l'air d'être un bon. Ah oui, t'es un bon, mon frère. Voilà, on voit des wesh chez Guy en DM. Non, non, on fait pas ça, par tu veux passer des dédicaces? T'as vu tous les mecs Joël, il lance des mods. Bah, j'aurais deux dédicaces, bah, du coup, pour le coup, c'est déjà dédicace à tous ceux qui sont en frère zone. Hein. On se soutient mutuellement. T'inquiète, on est là, frérot. Et sinon, bah, dédicace à tous les cyclistes aussi. Jure. Vas-y, salut frérot. Le bâtard. Ouais, j'ai fait le con avec lui et tout en plus. Oh, le bâtard. Et il t'allume comme ça, gratuitement. Gratuitement. Ah, les chiens. Oh, putain de merde. Bon, bah. Il faut dédicace. Bah, voilà. Eh, on est bien. On est à 8, ça va, on est dans. On est à l'heure. On avait dit minuit 10 max. Dédicace. Minuit 10 max et on est arrivé pile à temps. Eh, c'est l'heure des dédicaces. Des Joël, sur ton parchemin. Eh, j'ai pas fait ma liste. Sors le papyrus. Eh, j'ai pas fait ma liste. Mais je te jure, Joël, maintenant on va te donner. Eh, Joël, on va faire comme dans les jeux télévisés. Genre, t'auras 1 minute 30 pour faire toutes tes listes. Je te jure. Ah ouais, putain, j'ai fait une petite liste, mais elle est pas. J'ai oublié des blagues. Donc, dédicace à Alex le piéton. Ah, avec les piétons hackers du 93. Combien de jours déjà, t'as pas le permis? Ah putain, j'ai oublié de faire le calcul. Mais il doit être à 10 000 jours là, c'est 10 000. Ah ouais, c'est sûr. Parce que la dernière fois, toi, t'as 9 980. T'as dit 9 980 jours. Là, il achète des baskets encore là. On marche avec ça dur, les piétons. Il marche dans ce temps. Si vous le croisez, saluez-le. Des Geox. Ouais, dédicace à Que feront le fan de Ladyboy aussi. Voilà. Ouais, tu vois, comme ça, on n'est pas hétérocentré, je sais pas quoi. Regardez le rire de côté, là. C'est le rire avec un rictus bien gros. Rien dit. Merde. Tu crois que je me suis endormi pendant l'histoire de l'autre? Jure la vie, toi. Ah, ça parlait de moi. Je me disais aussi depuis tout à l'heure, on l'entend pas. Il s'est réveillé pendant qu'il était dédicace. On est la honte de la France, sachez-le. C'est honteux. C'est honteux. Hein. Ah ouais, mais du coup, vous lui avez dit quoi? On a dit T'inquiète, on lui a dit d'arrêter d'être. Il fallait plus avenant. Ouais, là, on est au dédicace Prime, au cas où. Il y a Joël, il a sorti le papier. Non, mais il a fait longtemps aussi son histoire aussi. Ah, c'est sûr, voilà. C'est pas grave. Vous voyez pourquoi on vous a dit qu'il faut finir plus tôt? Ouais, Prime, c'est pas bon. C'est fatigant la radio sexe, hein. Ouais, ça pompe de l'énergie, hein. Ouais. Et pour ça, faut faire du hit. Et du vélo. On fera ça en Corée. T'inquiète. Oui, Radio Sex en Corée, je le veux, je le dis. Ouais, Radio Sex en Corée. Ah bah si t'avais été là, Yas, Zach, t'aurais peut-être pu savoir ce qu'on me disait. Ouais, ah ouais, parce que Zach, je t'ai pas dit, du coup t'étais pas là. Radio Sex en Corée, ça, c'est sur le bon chemin. On est en discussion. On est en discussion. Ouais. Ça travaille. Ouais. Putain, on travaille très fort. Et aussi Zach. Et aussi pour les invités, on va avoir du très très lourd normalement. Vendredi, on a eu un appel très positif. Ça va arriver. Ouais, je sais pas. Je suis recruteur. On dirait un enfant. Je suis trop investi. Moi, je veux de la qualité, les gars. Il a travaillé. Il y a un gars, il a dit pourquoi en Corée? C'est parce qu'un jour, je crois, c'était moi ou un autre, il a dit venez, on va en Corée. On a dit bah go. Voilà. Non, c'est un mec. Mais non, c'est le mec qui l'avait appelé. C'était le mec qui avait dit. Ouais, ensuite, du coup, qu'on allait faire Radio Sex là-bas. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Vas-y, Joël, mais tu continues. Attends, après l'IRL, on a failli partir en Corée. Voilà. Ah oui, ça c'est grave. Ah oui. C'est une honte. Avec Prime, je voulais dire, on va en Corée, il m'a dit, vas-y, c'est parti. Prime, il y a pas d'idée d'aller partir en Corée. Ça, comme c'est ça, le délire de ceux qui ont de l'argent, ça. Ah ouais, ça fait. T'as vu, Joël, comment on est pas dans le Joël, elle est comment la télédias? Non. T'as dit quoi? La télédias, c'est une quoi?
La quoi? Ça, ah, c'est une 4K, c'est une 4K. 4K, ouais, 4K. Yes, un étudiant, il touche 5000 balles par mois. Ah oh bah ouais. Ouais. 4K, hein. J'ai un pré-étudiant. Je suis fauché. Bon, dit-il. Déjà, les dédicaces à jouer, là. Bah ouais, mais c'est vrai. Dédicace à Tonton Galsen et son frère. Dédicace à Tonton Galsen. Dédicace à Tazio de Renault Clio. Tazio, t'oublie pas, mon gars. Dédicace à... aux trois îles, à ce qu'on écoutait en Martinique. Hein. Aux trois îles, en Martinique, la part de Virginie. Ah, dédicace aux trois îles. Yes, d'Istanbul. Clément la crevette. Matt le tombeur du 78. Et surtout, dédicace, respect pour même 2019, à la journée de la femme. Et allemand l'albanais. La journée de la femme. Ouais. Journée des droits de la femme. Fuck Chironiki. Moi, dédicace aux Strasbourgeois. J'ai passé le week-end dans votre ville. C'était vraiment génial. J'ai kiffé. Dédicace à Rigo. Faut, mes frères. Dédicace à Yann de Décathlon. Dédicace à vous aussi. Dédicace à Yann de Crazy Tiger. Pendant la radio sexe. Dédicace à les gens qui vont regarder mon clip. Attendez, Martin de Tchèque-Food et Tchèque. Ah ouais, Martin Tchèque-Food, le frère. Martin Tchèque-Food et Tchèque, le frère. Pendant la radio sexe, j'ai passé les 100 000 abonnés sur Twitter, merci. Roby et Victor. Dédicace à Diego Yannou. Fuck Diego. Dédicace à Yannou et Trembler. Dédicace à toutes les t'as dit quoi? Hein? Dédicace à Joker! Ouais, dédicace à Joker! Dédicace à Joker! Dédicace à Joker, mon pote! Il y a le best-of du mois de février qui est sorti sur la chaîne de Côté et Kamel, et il y a le best-of de la semaine dernière qui est sorti sur ma chaîne, n'hésitez pas à voir! Voilà! Dédicace à Proki! King Chris! Dédicace à Robin Peter! Dédicace à tout, mais fuck Diego aussi, oubliez pas! Fuck Diego! Fuck Diego! Ta mère, on la baisse, sale chien! Dédicace à Carnage! Ouais. Ah, doucement, frérot. Ouais, fuck Diego et sa meuf imaginaire. Il est jaloux de Naruto. Il faut que tout le monde le sache, ça. Ah ouais. Dédicace à Season Art, mon frère. Dédicace à Season Art. Damien Mescudi. Damien. À Sefi aussi. Et Damien Mescudi. Damien Sexcudi. What des Sextoys. On le kiffe. Dédicace à l'homme qui s'est fait refouler des États-Unis. Dédicace au Durado. Dédicace à Robo des Terres. Hotman. Dédicace à Hotman. Qui a eu plus de 2000 abonnés en quelques jours. 2000 abonnés. Voilà, là, là. Le frérot tout à l'heure. Et puis dédicace à Cubains. À Cubains, on l'a oublié. Non, on t'aime, mon pote. Ouais. Bah, non, j'ai dit, frère. Ajoutez-moi sur Instagram, post-bad ivoirien. C'est Zino, mon frère. Ouais, fucking Yannis 13. En 13. Y'a qui doit pas t'ajouter? Les hommes. C'est pas de vous. Voilà. Et dédicace à toutes les femmes. C'était votre journée il y a pas longtemps. On vous soutient. Dédicace aux meufs. On vous aime, dédicace, vous sentez trop bon. Vous sentez dédicace trop, vous au meilleur bar de France. Et oui. Non, mais c'est la journée de leur droit, pas d'elle en fait. Ah, oui, c'est les dédicace aux nudeuses, celles qui envoient des nudes. Ouais, dédicace aux nudeuses furtives, celles qui envoient le truc que tu reçois, t'étais dédicace pas prêt. Dédicace aux poètes. Je me désolidarise de ces dédicaces. Ah, dédicace aux poètes, comment ça tu fais dédicace aux cyclistes. Ah, poète, ça va. Dédicace aux cyclistes. Dédicace à Kamel le cycliste, à tous ceux qui ont regardé mon clip et les likes. Et c'est cool, allez regarder, nombreux donner le clip. Incroyable. Dédicace à Naïm de Lascar TV, au coup franc que j'ai mis cette semaine. À Naïm. Aïe, aussi que j'ai mis un coup franc. Ah non, c'est bon. Dédicace à ISM aussi. Dédicace à Yann de Dédicace. Et surtout, dédicace à tous les mecs. Parce que moi, du coup, parce qu'il y a des mecs. Une heure de dédicace là? Non, mais ils méritent, parce qu'il y a des gens, des fois, ils me croisent dans la rue, ils crient, après c'est chelou, mais ils disent, ouais, du cul, du sexe, du cul. Moi, il y avait le gars de ma fac, ils ont fait que de crier ça. Donc, du sexe, du cul, du sexe, du cul, du sexe. D'ailleurs, ouais, chez vous. Mais même au concert de Joker. Ouais, même au concert de Joker. Ça faisait que crier du sexe. Mais frère, hier, au match, à la Méno, à Strasbourg, des mecs qui me croisaient, ils me disaient, demain soir, c'est... Dédicace à Brooklyn. Dédicace à mon gars Brooklyn. Dédicace à Atlanta. Dédicace à ceux qui seront là la semaine prochaine. Dédicace à Erasmus. Dédicace à Renifle aussi. Dédicace à Brooklyn. Dédicace à Lenny. Dédicace à nous. Dédicace à Michigan. Dédicace à Atlanta. Dédicace à Maubeuge. Ouais. Allez, je crois que... Bon, on va y aller, là. Dédicace à Domingo et son marathon. C'est vrai, voilà, il a couru 21 km, bravo. Dédicace aux hétérocentrés.
Dédicace à Daily Coteil. Dédicace à ça manque de meufs. C'est bon. sérieux. Ouais, vas-y, je vais rentrer. Pars pas en couille, s'il te plaît, parce que j'ai c'est bon, là, il faut finir là-dessus, c'est bon. Vas-y, vas-y, une bonne fin de soirée à tous. Vas-y, les frères. Bisous, les frères. Non, mais vas-y, on remettra une meuf. Eh, il y a trop une alchimie ici, je le dis. C'est que je suis pas content. Voilà, c'est bon. Faites d'alchimie, mon frère. Les meufs, vous sentez trop bon. Vive l'alchimie, c'est bon ou pas? Attendez, ça veut dire que je suis viré, moi, ou? Non, pourquoi tu parles? Toi, t'es pas viré, frère. Let's go, baby. Pourquoi tu serais viré? L'autre, il arrive en retard, il est pas viré. Ouais, c'est Zach qui est viré. Allez, Zach, tu dégages. Dédicace au Mizukage. Eh, j'ai fait une sieste réparatrice. C'est parti pour 4 heures. Par rapport à l'autre squad, là. Ah ouais, t'es bon. Je suis viré, sa mère. Le code créateur, peut-être. OPEX Prime. Créateur, avec un petit rire. OPEX tiré du milieu. Ah ouais, ajoutez-moi sur Twitch, Postbad Ivoirien, excuse-moi. Allez, follow Postbad Ivoirien sur Twitch. Et OPEX Prime. J'ai parlé de Nutri et de PES. Allez, allez, bisous. Allez, salut. Vas-y, bonne nuit la team. Bonne soirée tout le monde. Bonne nuit. Salut. Casse à Coralie. Ah, Coralie. Attends, on est pas en live, j'ai... Ah si, si, on est en live. Oh putain. C'est pas de chance. Vas-y les frères, bonne soirée. N'oubliez pas soirée. Cette semaine. Vas-y. On ah ouais, demain, mardi, ouais, vas-y. Vas-y. Bon, moi je fais une petite page de pub. Bah, c'est l'heure de la pub, tout simplement. Ensuite, je reviens et on continue le stream tranquille. Et après, je rentre chez moi. Et après, je dors et on se revoit demain. Voilà, j'arrive. Donnez-moi 5-6 minutes. J'ai envie d'aller acheter à boire et tout. J'arrive, les mecs. Boum. Ah non, c'est pas Radio Sex là, faut mettre l'intro. Yeah.